Hey. Allô, il faudrait qu'on discute. J'arrive pas à avoir. Ça fait depuis toute la soirée, j'essaie d'appeler Mads et Elia, mais ça répond pas, donc je t'appelle toi. D'accord, faut qu'on discute pourquoi. Pour ce qui s'est passé hier. Il s'est passé quoi hier? J'ai neutralisé deux personnes. Ah, d'accord. Ça marche. Je donc, t'en rappelle. Ouais, à toute. Allô? Et Boris, dis ouais? Ouais. Et il y a des armes au camp ou pas? Parce que là, moi, je viens de me faire attraper, j'ai plus de vie. T'as rien du tout? T'as rien du tout, je viens de me faire attraper. Je t'ai fait attraper, t'as fait quoi? Mais j'étais avec ma bétonnière et apparemment, je roulais un peu vite. Alors que. Bon. Oui, mais. Et chez toi, t'as rien du tout? Et non, chez nous, on a plus rien. Il y avait un Uzi, mais c'est Giovanni qui l'a pris. Ok. Il faut redescendre dans le sud pour aller chercher une arme. Eh ben ok, mais je vais passer. Faut que je me descende dans le sud. Ouais, bah va chez Edgar. Vas-y. Ok. À toutes. À toutes.
C'est grave. Comment tu vas? Bon, moi j'ai passé une soirée de merde hier. Hein. Ouais. Ouais, bah j'ai dû neutraliser deux VB. Ils m'ont forcé à les neutraliser, quoi. Ouais. Ouais, bah là j'ai essayé de contacter leur boss hier et hier aussi Bad. Et là j'ai eu Slave aujourd'hui. Donc on va les discuter, hein. On va voir ce qu'ils vont dire. Hein. Ah, de toute façon, je vais leur dire la vérité, qu'est-ce que je te dise? On verra. Hein. On verra. De toute façon, on va voir Slave tout à l'heure. Hein. Donc j'ai appelé, je crois que j'ai appelé une fois Bad hier, mais je comprends pas pourquoi c'est pas noté. Comme là, Liam Dunn, c'est pas noté encore. Liam Dunn, je l'ai payé, je l'ai appelé au moins 6 ou 7 fois. Et Bad, pareil. Et aujourd'hui, je voulais faire la même et appeler les trois, quoi. Je les ai pas eu. C'est dommage qu'on attend 20h quoi. Ou 21h ou 22 quoi. Yo Jericho, merci pour le lancement, merci à Shexa pour les 15 mois, salut le chauve. C'est Reflecter. Bon, bon, pour ceux qui ne savent pas, hier, j'avais coupé, j'étais fatigué, et après je suis revenu pour faire un peu de CP avec les gars et avec le truc, sauf qu'on s'est dit aussi qu'à tout moment on pouvait toper quelqu'un qui bossait, soit NS, soit VB. Il s'est passé un truc à la Pacifique et on pensait que c'était VB qui bossait. Et on voit une voiture super spotée avec deux VB, on les suit, ils s'arrêtent pas, on les suit, ils s'arrêtent et là on les pointe et une scène qui s'est passée et Boris a perdu patience parce que bon, Boris il comprend pas comment il peut prendre un mur alors que les gens sont pointés. Et il a dû abattre les deux parce que. Et pas de discussion quoi. Le premier, il a sorti son téléphone. Donc il l'a abattu. Le deuxième, bah, il a continué à faire le fou depuis le début à la fin. Et il a dû l'abattre parce que il se faisait menacer qu'autre chose, quoi. Voilà. Et derrière, j'aurais pu prendre leur F811, je l'ai pas fait. Et je me suis dit, bon bah on en parlera direct ce soir. J'ai appelé les concernés, ils n'ont pas répondu. Et là, j'ai dit, bon bah on y va et on va reparler parce que c'est une scène que bah on est un gang et on doit le dire pourquoi et tout. Derrière, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais voilà. Y a pas eu de mort RP, pas du tout. Voilà.
Donc là, moi, j'ai appelé Mats et au début, j'ai beaucoup appelé Lyudon, il n'a pas répondu. Après, j'ai appelé Mats, il n'a pas répondu. Et bon, bah, après, une heure après, je suis parti. Le lendemain, j'ai re-appelé tout le monde là, sauf. Bah, après, j'ai appelé les deux plus Slev. Slev me répond et je lui dis juste clairement j'ai dû neutraliser deux de leurs personnes, qu'il faut qu'on discute. Et derrière, bah, je voulais avoir une discussion, mais je pense qu'ils vont attendre ce soir pour être tous là, peut-être. Il faut aussi que les deux qui ont été neutralisés doivent être là aussi, je pense, donc ils ne sont peut-être pas là. Et je vais juste leur dire ce qu'a fait Boris, et pourquoi il avait fait ça, et pourquoi ça en est arrivé là, quoi. Voilà le résumé. Le résumé, c'est que... Ils voulaient que Boris voulait taper VB parce qu'ils nous ont tapé 2-3 fois pendant qu'on bossait et on pensait qu'ils bossaient. Donc moi je voulais les pointer, leur dire qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, pourquoi ils ont fait ça et s'ils avaient de la drogue sur eux. Parce qu'on pensait qu'ils faisaient du porte-à-porte. Derrière, bah, y a pas eu de discussion, on n'a pas pu trop parler. Et en fait c'était eux qui me... Enfin, c'était lui qui mettait des pressions alors que j'avais pointé. J'ai pointé, je l'ai dit à plusieurs sommations d'arrêter. J'ai même tiré par terre pour qu'il arrête. Il a continué. Bon. L'autre a sorti son téléphone. À ce qui paraît, il y a eu un bug de VOIP. C'est qu'il a dû dire qu'il sortait le téléphone pour accrocher, sauf qu'il ne l'a jamais dit. Il a sûrement dit, mais sûrement le TS a bugué ou le VOIP. Donc j'ai dû le neutraliser. Le mec a toujours continué, celui qui était du début à la fin, a continué à faire le fou. J'ai même pas pu m'expliquer, j'ai même pas pu dire ce qui s'est passé. Boris, il n'a pas pu dire ça, parce qu'il faisait que se faire enchaîner. Et même avec ses sommations, bah là, et à la fin, il a encore menacé, il a parlé de GB de sang, et bon, il l'a battu, quoi. Derrière, j'aurais pu prendre leur voiture, la vendre, ou l'échanger, ou autre. Donc on n'a pas de level pour garder le garage, et vu que c'était un peu tard, 23h, bah, je me suis dit, je vais laisser la voiture, et j'ai pas envie de les punir pour ça. Et derrière, bah, je les appelle pour en discuter, et... Et voilà, je les ai pas eu. Donc là, après, derrière, je rappelle aujourd'hui et j'ai envie de faire une discussion, parler, voir ce que ça va arriver, quoi. Bah, les personnes ne se souviennent pas, donc pour eux, ils se sont fait peut-être abattre pour rien du tout autre. Donc je vais discuter. Vu qu'il y a personne qui a parlé, maintenant, on va savoir comment ils vont le faire, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun bébé à côté qui peut dire la vérité ou pas. Et Boris peut dire ce qu'il veut, quoi. Donc il va dire la vérité, peut-être un peu plus, mais... Et voilà, quoi. Derrière, on verra ce que va faire VB, quoi. Voilà. Après, il dit ce soir, donc on va peut-être attendre tard. Moi, j'ai pas envie d'être tard ce soir, donc si c'est trop tard ce soir, ça sera laisse tomber. Allô? Ouais, je me suis fait braquer par NS. Ah ouais? Ok. Ils m'ont pris 5000 balles, et puis ils sont pas contents que je les ai braqués quand ils... Tu sais, en gros, j'étais prêt à crocheter. Puis là, je vois un voleur débarquer et qui ralentit devant moi, donc je les braque au Uzi. Et ils ont pas été contents, du coup, ils m'ont chopé, ils m'ont pris 5000 balles. Ouais, enfin, eux aussi, on va devoir les soulever. Bah, oui. Comment ça va? Hier, ils ont fait la même chose à l'autre. Enfin, c'est incroyable. Enfin, qu'on va devoir eux, les soulever plusieurs fois. Ils ont le droit de tout faire, mais nous, on n'a pas exactement, le droit. Exactement, c'est exactement ce que font tous les gens. Seul leur... Et eux, ils veulent qu'on fasse la même chose qu'en fait, qu'on les fasse. Moi j'en ai rien à foutre. En fait, c'est pas ça, c'est qu'ils disent ça alors qu'ils ont menacé au Uzi plusieurs fois déjà. Enfin, mais je pense que j'ai eu un message de. Mais c'est surtout, le véhicule il se rapproche de moi alors que j'étais proche de. Enfin, ah oui. J'allais. Bah, c'est normal, non mais t'as raison. C'est normal. Allez, viens au camp. Oui, bah, je suis en train de rentrer chez moi là à la maison, je file un Uzi à Cameron et puis. Vas-y, à toute. Je sors ma voiture et voilà. Regarde, okay, à toute. Vas-y, à toute. Ah, c'est typique. La même chose, LS, bah, il commence à l'énerver parce que... Salut, ça va? Bon... Comme quelqu'un qui vient de se faire braquer par 4AK, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on s'est fait braquer par les VB. Il t'a pas dit, Edgar? Je croyais qu'il t'avait au téléphone, toi. Pas du tout. Mais, attends, quoi? Il t'a pas ah dit? Non. Bon, bref. Ah non. En gros, quand on a reçu ton message de tous regrouper, Cameron était en train de se faire contrôler par un shérif, donc on l'a laissé sur place. Derrière... on a chopé une voiture pour Jaden. Quand il la vole, il se fait choper par les shérifs. On se barre. Bref, donc les deux sont hors course, entre guillemets. Nous, on va chercher la GB d'aide en fourrière. Et en y allant, les VB nous topent et nous braquent avec leurs AK là.
Ils nous disent, vous savez ce qui s'est passé hier soir? Alors moi je dis, bah pas du tout, même si Jayden m'avait un peu raconté. Et Edgar dit, bah si. Je crois que j'ai entendu que deux de chez vous se sont fait coucher. Et en gros, il dit juste ça. Et du coup, à ce moment-là, il dit, vas-y, parle, appelle les gens et tout, et tout. Et ils sont quatre autour de nous, on peut rien faire, moi j'ai une mallette en plus. Derrière, Edgar, il dit qu'il sait pas trop. Et puis là, à ce moment-là, au pile à ce moment-là, t'appelles Slèvre. Je crois que c'est toi qui l'appelles. Oui. Ah bah ok, c'est voilà. À ce moment-là, alors, ok. Bah je leur ai dit que c'était moi. Puis, voilà. Et bah du coup, il a dit, on sait qui c'est, je sais pas quoi. Et du coup, l'autre, il a dit, vous allez prendre cher. Il m'a pris ma mallette de 10 000 dollars. L'autre avec sa crête, là, je sais plus comment il s'appelle, mais il m'a déjà braqué deux fois. Et voilà. Et du coup, il nous laisse repartir, mais il a dit, on va se revoir ce soir, vous allez prendre cher. Vous êtes enfin, pas prêts. Oui, bah c'est marrant, ça. Enfin, c'est... En fait, ouais, bon, on verra de toute façon ce soir. On verra. Voilà. De toute façon, c'est ce qui se passe, c'est que s'ils remettent encore, ils remettent déjà qu'ils vous volent des trucs, qu'ils vous... alors que vous bossiez pas. Deuxième point, c'est eux qui m'ont forcé à les abattre. Si en plus derrière, ils enrichissent encore et encore, moi, je pense qu'on va comprendre comment ils vont être, quoi. Mais alors, c'est vrai, du coup, cette histoire, je pensais que c'était un peu raconté. Tu les as vraiment abattus? Ah oui, je les ai neutralisés. Bon, pas abattus parce qu'ils vont bien. D'accord. Mais ah, ils sont pas morts, d'accord. Non, ils sont pas du tout morts, je les ai juste neutralisés, c'est-à-dire... et c'est pour ça que je vais vous expliquer, et que je voulais discuter avec eux pour ça, et... bon, ça me fait assez marrer, assez doucement marrer, ce qu'ils veulent faire... Parce que c'est eux qui cherchent la merde, c'est eux qui foutent le bordel, et quand ils font une erreur, quand on les sanctionne, bah, ils veulent faire encore plus. Donc on verra ce que ça va être, quoi. Voilà, bah en tout cas, sache que... Ils nous ont impressionnés et puis j'ai dû lâcher 10 000 dollars quoi, de salle. Oui. Je croyais qu'il t'avait dit ça au téléphone, Edgar. Oui, il va pas parler, Edgar. Il va pas appeler, Edgar. Alors, il a appelé qui? Ah, j'ai d'autres peut-être. Bon, d'accord. Enfin, tu sais tout quoi, maintenant. Oui. D'ailleurs, je vais sûrement avoir un avis de recherche sur moi. Mais ah ouais okay. Ah oui, j'avais 48 heures pour me présenter au poste de police. Je dormais hier. Essayez toujours d'avoir un 5, Edgar. Très bien. Ouais, ok. Parce que... T'es au courant, il t'a parlé. Il vient de me l'expliquer, ouais. Il vient de m'expliquer. Bah, je savais pas qu'ils étaient... Ils étaient pas au courant que c'était nous. Non. Bah, ils étaient pas au courant parce que j'ai pas réussi à les avoir. Vous n'étiez pas habillé en symbiose. Ce que j'avais compris, Jayden, ce qu'il m'a raconté, je pensais qu'il savait parce que... Non, on n'était pas en symbiose, personne n'était habillé en symbiose, il y avait juste une GB200 dans le tas. Il y avait deux voitures volées, deux Sig Kimila. On avait rien du tout, quoi. Ok, parce que là, je viens de me faire topeler par les shérifs, apparemment, ça fait un petit moment qu'ils cherchent toutes les GB200, les types. Oui. Pourquoi tu t'es fait toper? Je sais pas. Bah, ils m'ont topé parce que j'étais en GB, ils m'ont dit, ouais, vous êtes au courant, il y a des gars, je sais pas quoi, qui cherchent des gens qui ont des voitures comme vous. Ah, ils ont demandé... ah oui, ils ont demandé à Trouble s'ils avaient des GB. Je sais pas, mais les shérifs, ils viennent de me demander si on était au courant qu'il y avait des gens qui cherchaient... Non, qu'ils ont pas cherché toutes les GB200, toutes les... c'est Kibela, toutes les autres voitures, quoi. Et bon, ça c'est... Ouais, je sais pas. En plus, le pire, c'est pas ça, c'est qu'on en a que 3 sur les je sais pas combien qu'il y en a dans ville. Donc c'est normal qu'ils se suivent et qu'ils laissent les infos, tu vois. Ils ont ça, mais il y avait des Sikibela, il y avait tout ça, ils auraient pu aussi pointer les Sikibela. Ah bah là, ils ont pointé la Sikibela, hein, parce qu'ils sont venus direct sur nous. Est-ce que vous étiez en symbiose, non? Non, pas du on tout. Était bien civil. Ils sont venus direct sur nous à la station essence, la Clinton. Ok. Et puis en plus, la Sikibela était noir mat, quoi. C'est pas ma cinquée visible à l'autre bout de l'île. Ah non, la peinture, elle vient d'être refaite là, par la science. Y'a Sid qui s'est fait braquer par NS aussi cet après-midi. Ouais, bah envoyé un message, elle était très... Zippée. Non, mais elle était très remontée, elle a dit qu'elle allait les défoncer. Apparemment, les deux sont très vénères. Et très colère. Bah oui, j'en ai mis deux, ils ont pas l'information. Ils ont deux gens à terre, ils sont vénères.
Quand ils auront l'information, on verra ce qu'ils vont faire avec, quoi. Salut, je suis énervé, très énervé. Oh là là, bon, je devais vendre un véhicule proche au Custom Aéroport, un NS seul. Je me suis dit, bon, ben, je suis pas une pute, je fais un tour, je reviens, je m'en mature, c'était caché. Pour la suite, je demande à Félix. J'ai 3 heures d'ITT et quand j'écris, j'ai mal au genou et à mon taille gauche. Le tout petit, bisous. Elle a dit, pour la suite, demande à Félix, c'est ce qu'elle a Ouais, dit. ouais. D'accord. Non, bah globalement, c'est ça, elle a vu un ANS sur un point de livraison, elle s'est dit, bon, bah, je vais pas le toper, je fais un tour, elle attend un petit peu, puis elle va vendre sa voiture, le ANS était caché, et puis il a zippé, et lui a pris tout son argent et ses crochets, je crois. Son argent, Et c'est sûr, ses crochets, je suis pas sûr. pourquoi elle en ITT? Elle a fait un accident de moto. Ah, ok. Je pensais que c'était le NS qui lui avait fait un truc. Non, non, il n'y a pas eu de violence physique, je crois pas en tout cas. Je récupère un sac derrière là. Et Kamel. Hein? Ouais. Mais en fait, dis-toi qu'il faut toujours un sac. Hein, parce que quand on va attaquer des gens, il faut prendre ce qu'ils ont dans les poches et si on n'a pas de place. Il faut jamais être en 105, hein, je trouve, ça sert à rien. Et tu vas faire quoi là? Mais déjà, vous n'êtes que 5 là? Vous n'êtes que 4 là? Oh, il y a Cameron aussi. Il y a Cameron qui arrive. Il est allé chercher une arme chez qui? Chez moi, enfin chez nous. Ok, c'était pas chez Edgar qui devait? Non, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier déjà. Vous sachez clairement. Ah oui, pourquoi on les a chassés? Moi, j'ai toujours pas compris, si jamais. Oui, mais c'est pour ça que je vais vous expliquer parce que. Alors, c'est le cas. Donc je vais répondre à tout le monde. VB nous a déjà topé 2 3 fois pendant qu'on fait notre business et qu'il nous vole de l'argent, nous vole tous nos Cher. outils ou autres. Ah, je vous le dis, ça fait 3 fois qu'ils l'ont fait. Il l'a fait, je crois, qui a Félix, c'est ça? Moi, j'ai VB. Ouais. Oui. VB, je me suis fait braquer 3 fois par eux. Trois fois. Voilà, et alors 3 fois par eux, sans compter les autres, donc bon, plusieurs fois. Donc ils sont en train d'attraper les gens qui font leur business. Donc il y a Pareil une fois eux, aussi. et, ouais, et NS Pareil une pareil. fois aussi. Ouais. NS c'est pareil, ils font la même Et chose. c'était sur le taf, par contre. C'était sur les reventes de véhicules, Non. non, qui t'ont chopé. Ils m'ont Non, chopé non. une fois quand je volais un véhicule, donc oui. Donc ça oui. Ensuite, une autre fois quand je renvoyais un véhicule. Et puis là, cette fois-ci, il n'y a même pas une demi-heure. Nous, on circulait normalement, on faisait rien de particulier. Et ils m'ont topé 10 000 de salle. Oui, mais ça c'est parce qu'ils savent que c'est moi qui ai fait ça. Le truc c'est pas ça. Donc NS pareil. Et donc là, vu qu'il se passait un truc à Pacifique et que je vois cette voiture qui était vers Pacifique qui ressort, je pensais que c'était VB qui faisait du business. Donc je voulais les toper. Je voulais leur discuter, savoir ce qu'ils étaient en train de faire et ce qu'ils avaient sur eux. Je voulais savoir pourquoi ils étaient là et je voulais voir s'ils bossaient et s'ils avaient de la drogue sur eux. Le souci, c'est qu'on les a tous les 5 pointés. Le mec est sorti de la voiture, on le pointe, je lui dis fais pas de conneries, arrête-toi là. Il a avancé, il s'est collé à moi alors que je le pointais. Donc ça m'a déjà tendu. Il est en train de me menacer en disant t'es qui, t'es qui? Je dis mais il n'y a pas t'es qui, je suis quelqu'un de masqué et j'ai une arme et je te pointe, en fait je peux t'abattre. Il continue à me menacer, tu sais pas qui on est, on va t'attraper. Donc là, je le repointe, je lui dis mais calme-toi, je peux t'abattre. Je lui dis plusieurs fois. Il continue à faire le fou, je tire par terre pour qu'il comprenne bien. Non, je ne tire pas tout de suite après. Il y a l'autre qui arrive et il continue à faire le fou. Je tire par terre pour bien lui faire comprendre que je peux l'abattre. Il continue à faire le fou. L'autre, il sort son téléphone. Alors que je lui dis de rien faire, bah je l'abats parce qu'il n'a rien dit, il parle pas, il sort son téléphone. Deuxièmement, il continue à faire le fou. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Tu vois que ton mec est abattu! Oh! Et il continue à faire le fou. Et derrière, bah, j'en ai eu marre parce qu'il parle, il me menace. Il dit, ah ouais! Il m'a dit, ah ouais, bah vous vous trouvez, ah, une GB200, tiens! Bah là, je l'ai abattu. Et après, on est Mais parti. c'est qui eux? VB. Non mais c'était qui chez bébé? Brock et je sais pas qui. C'est des balades? Et voilà ce qui s'est passé. Derrière, j'ai dit bon, on se casse. J'avais la 811, leur voiture là, qui était ouverte, sûrement, on aurait pu le prendre et l'attraper, la vendre ou autre. On l'a pas fait. On est tous partis et après, j'ai essayé d'appeler les boss et ils ont pas répondu. Là, t'as eu ce lève là, apparemment. J'ai eu Slam, j'ai essayé d'avoir. Ouais, il J'ai était eu en train de le Slam. braquer quand tu l'as eu. Ok, bah, je leur ai juste dit il fallait qu'on discute pour ce qui s'est passé. Et ils ont dit pourquoi. J'ai dit bah,
ce qui s'est passé hier, elle a dit quoi? Bah j'ai dû neutraliser deux de tes gars, quoi. Et du coup, là, on va discuter avec eux? Bah du coup, non, et du coup, il m'a dit ce soir, donc... Pareil qu'on soit un petit peu plus nombreux, quoi. Ouais, bah s'ils sont pas là, c'est pas grave, tu sais, on est que 12, hein. Là, faudra qu'on recrute un peu, hein, mais bon, on recrute pas n'importe qui, aussi. Au moins la moitié, quoi. Parce que là, on est moins de la moitié. Oui, mais de toute façon, ça sera ce soir. Donc on verra s'ils sont là ce soir, s'ils sont pas là, c'est pas grave. On discutera et on verra. Là, pour moi, c'est une discussion. S'ils font l'escalade de la violence, bah on agira. C'est eux, l'erreur, c'était eux de base, hein. C'est pas moi, hein. Et du coup, je suis embêté, parce que, comme je vous ai dit, par rapport à la flicage, je dois retourner au commissariat. Aujourd'hui. Donc je sais pas dans quel timing, surtout si je prends de la prison. Ah, t'y vas après le rendez-vous, je pense. Ouais, d'accord. Et du coup, je vais peut-être être recherché, quoi, pendant le rendez-vous. Ah ouais, sinon tu demandes de venir juste ce soir, quoi. Oui, d'accord. Avec un avocat. S'il m'appelle. Oui. Ouais, s'il t'appelle, tu lui dis que tu viens plus tard. D'accord. Par contre, il faudra qu'il aille, quoi. Si tu lui dis que tu viens plus tard, faut que tu ailles. Non, le soir même, t'y vas. Oui, oui. Tout ce que je veux, c'est qu'il y ait un avocat avec moi, parce que sinon, je prends 6 heures de pénitencier et 40 000 $. J'aimerais bien ne pas aller au pénitencier. Du tout. Ah, du tout. Ah, ça paraît compliqué, ça, Félix. Ouais. L'autre, Pavlos, je sais pas quoi, il m'a dit peut-être. Non, ah c'est ouais pas Pavlos, pardon, c'est Hawk. Oui, c'est ça, c'est Hawk. Ça me paraît compliqué de pas du tout de pénitencier, mais... Mais si l'avocat négocie vraiment bien, pourquoi pas? Bah voilà, c'est pour ça que j'ai appelé Turner, mais il m'a pas répondu. Essayez de le rappeler ou pas? Bah j'ai laissé un message, il me dira quand il est dispo, je veux pas le... Yes. Ouais. Et NS, on va faire quelque chose aussi, Boris, ou... Ah oui, on les tente, puis on leur... Hein, en fait, pour moi, NS, limite, là, maintenant, on y va. On y va tous ensemble, on trouve NS, on les braque, on les met à poil, on leur explique clairement que ce qu'il faut, c'est n'importe quoi, ils se prennent pour qui, et voilà, quoi. Et voilà, j'appelle notre boss, et je dis, bon, vous arrêtez, sinon, voilà, quoi. Et surtout, enfin, je les ai seulement braqués, j'ai même pas tiré, j'ai rien fait. Oui, non, mais eux, c'est incroyable. Eux, pour eux, vu qu'ils bossent avec leur voiture, enfin, ils croient que leur non, voiture, en fait, c'est... Eux, vu qu'ils bossent au taser, il faudrait que nous aussi, on bosse au taser, en fait. Non, mais... Bon, je vais pas les braquer au taser, non, c'est de la merde. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tourner et on va toper les NS. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Vous avez des armes, c'est bon? Attends, Qui Ils m'ont chopé là quand Boris il a dit go tous en symbiose et au camp. J'ai pris la voiture, j'ai fait la CP avec les shérifs. Je me suis arrêté à côté de chez Cameron parce que j'étais impossible de les semer avec ma voiture. Et derrière, je me fais contrôle, je finis le contrôle, tout ça, je paye l'amende. Je me casse et je me fais choper par une Zinke Milan sable avec deux bandes blanches. Et c'était NS. Et ils m'ont emmené vers la Palomino Freeway, dans les montagnes au-dessus de la supérette. Et ils m'ont dit, oh, c'est pas gentil d'être méchant, c'est pas gentil d'être méchant, et voilà. Qui c'est qui a un petit truc à bouffer, là? Oui, j'ai... Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas des voitures solo, là? Mais attends, mais t'as entendu ce que j'ai dit, Edgar, ou pas? Non, il a pas entendu. Non, il a pas entendu. Non, j'ai pas entendu, non. On part ensemble, on va toper NS. Yes, yes. Voilà. Et du coup, on prend quoi? On prend les Zinke? On prend nos voitures. On prend nos voitures, on y va tous les 5 et on top, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on mette au moins une des voitures à deux personnes? Comme ça, on pourrait peut-être récupérer une voiture pour la négocier. Ouais, c'est vrai, on peut. Parce que là, si on a tous une voiture, on peut pas. On peut pas prendre deux voitures à eux, quoi. Attends. Alors, ce serait un peu notre bise, tu vois. Il y a Giovanni qui est là. J'arrive, mais j'ai ni usine ni voiture. Oui, il y a un problème là-dessus aussi, et ça je comprends pas. Moi, j'ai sa voiture. Oui, ben, va le chercher. Ouais, tu vas le chercher. Par contre, normalement, je pense qu'il avait un usine, mais il a dû se le reprendre. Oui, mais normalement, en fait, on a plein d'armes, et ils ont pas encore splitté dans tous les appartements. On a pas d'usine chez nous, avec Edgar. Mais il faut que tu nous dises à quel point tu veux qu'il y ait des usines dans les appartements. Il faut que ce soit clair, Maurice aussi. Parce que moi, je peux leur ouvrir et puis ils prennent chez nous, tu vois, mais... Mais il faut que tu me dises... faut que tu me dises combien tu veux de usines par appart, quoi. Ah, juste x2, quoi. Je veux dire que quand ils sont dans l'appart, il faut 4 usines, quoi. 4 usines, ok, par appart. Enfin, 2 par personne, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait déjà 2 semaines que j'ai demandé aux filles de splitter les armes. Ils l'ont pas encore fait.
Non, y a pas. Parce que moi j'en avais trois, Félix il en a perdu un, il y en a un autre, je sais pas où il est. Quelqu'un peut le Ouais. prendre. Bah, Oui, faudrait mais. peut-être commander, Non, du coup. on a des armes, on a des armes. C'est juste que les armes sont dans des positions pas là où vous êtes et y a pas, on n'a pas encore eu les timings où on peut vous donner des armes par-ci par-là, quoi. Yes. Bah nickel, du coup on aura une voiture à deux et comme ça on pourra récupérer une voiture si jamais il y a besoin. Je dirais peut-être ranger ta voiture à toi. Comme ça, on fait deux bidons, mais attends, on fait trois bidons. Ouais si Ouais. tu veux. C'est comme tu le sens. Ouais. Bah quelqu'un vient me chercher du coup. Arrangez vos deux voitures. Nos deux La mienne voitures, ok. aussi? Ouais, ça Ouais. roule. Et tu veux pas qu'on prenne la mienne? La mienne elle est rapide hein. Ouais, vas-y, bah, pour la Plutôt tienne. qu'une Et... Sikemila de merde. Ouais. Vas-y. Au final, on les 6, donc 3 voitures, c'est bon? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, à toutes. On va les chercher. Yes. Vincent, range ta voiture aussi. Il a quoi? Il a Sikibila? Non, non, on va ranger la Sikibila qui va arriver. On s'en va. Bah du coup je Ouais, vais du garder coup, on ma garde ça voiture. là. Ouais, vas-y. Prendre les radios chez nous aussi, hein. Chacun prend les radios de chez eux. Ah, on prend pas ceux de Non, qui sont là? on peut C'est les bon. prendre dans le sud. On en met une par voiture ou une chacun? Ouais, de chacun. Ok. Dis, elle a combien d'ITT? 3 heures. Et attends, elle m'a appelé. Il y a 3 heures, donc elle devrait bientôt être de retour, j'imagine. Elle m'a dit qu'elle revenait ce soir. Ouais, donc peut-être dans 15 minutes. Hein. Il est parti où, Edgar? Aucune idée. Ah.
Non mais c'est pas possible d'être aussi con. Cameron n'a pas appelé Joe, c'est ça? Ben si, Ah non, Joe non? il est en face. On sait pas. C'est pas possible Mais non, alors. putain. Ah si, vous êtes là. Allez. On est déjà, ouais, non, c'est bon. Et c'est bon, je suis avec Edgar. Bien joué. Ce que m'a dit Cameron. Oui, c'est bon, j'étais médisant. Ouais, voilà. C'est Edgar, bah, parfait, tu sais tout. À toute. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je te disais, pas besoin. Ok. Ce qui s'est passé? Hier, on voulait faire une petite topée. On voulait. PNS ou VB qui travaillaient sur leur business. On a vu VB qui était pas loin du Pacifique, qui se passait des choses, donc on voulait les toper puisqu'il n'y avait pas les flics à côté. On les tope, on est 5 à le braquer, le mec sort, je le braque, je lui dis d'arrêter, il s'avance jusqu'à me coller presque un bisou sur ma bouche ou sur le flingue. Je commence à me titiller, je lui dis que tu vas te calmer, il dit qui t'es, tu sais qui on est, je lui dis j'en ai rien à foutre, t'es pointé, à tout moment je peux t'abattre, il continue à faire le fou, on est je sais pas qui, on va vous retrouver, blablabla. Je lui dis, tu vas te calmer, sauf que je vais m'énerver, tu comprends ce que je te dis, je peux t'abattre. L'autre sort de la voiture, vient à côté. Je lui dis, faites pas de conneries, sinon je vais m'énerver et je peux vous abattre. Je commence, il fait toujours le fou, je tire au sol. Le mec, je lui dis de vous calmer, il continue et l'autre sort son téléphone, alors qu'il n'a pas dit un mot, je l'ai abattu. Derrière, il continue à faire le fou, il commence à me menacer encore de mort. Derrière, bon bah, il me parle de GB200, on va le retrouver. Bon bah, hop, je l'ai abattu et je suis parti. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, quand je pointe quelqu'un, j'aimerais qu'il se calme. Et surtout, si je fais des sommations orales plusieurs fois de fermer sa gueule, parce que c'est quand même moi qui le menace, c'est quand même moi qui veux quelque chose de lui, c'est quand même moi qui dois autre, il doit comprendre que des fois, il faut se taire. Il n'a pas continué. Sommation orale, sommation orale, sommation orale. Bon bah, quand je passe aux sommations terrestres, enfin, l'étale par terre. Et qui comprend toujours pas et qu'il sort un truc, bah il faut abattre quoi. Parce que l'autre il sort, à tout moment il sort le point pour les autres bébés qui arrivent et voilà quoi. Donc là ils ont pas trop le truc de choses. Et derrière il continue et bon bah il comprend pas. Et je peux même pas placer le truc alors que moi je voulais juste savoir ce qu'ils faisaient là-bas, s'ils étaient en train de travailler, s'ils étaient en train de faire du bise et voir s'ils avaient de la drogue sur eux et repartir derrière quoi. C'était où d'ailleurs? C'était à Elgin Avenue, dans ces eaux-là. Vers la place Wolf? C'était dans, c'était Plus haut? c'était Spanish Avenue Meteor Non, à moi, oui. ouais, Awick Meteor ou Spanish Meteor. D'accord. Un truc dans le genre. C'est Awick Awick Edgin. Ok, Awick Alvin, ok. Les flics étaient autour de nous et après bah on est tous partis et j'avais 6 étoiles Personne ne de. s'est fait choper, ça. Ouais, Ça, personne ne s'est fait c'était. choper. Ouais, personne ne s'est fait choper, mais au final, maintenant ils savent que c'est nous. On va tous se faire tuer, non? Non, on va pas se faire Bah, tuer, je vais si, on va discuter, je tous vais se leur taire. montrer. Ils vont peut-être mettre pression ou autre, j'essaierai de discuter et on verra quoi. Mais qu'est-ce que je te dise? J'ai abattu, enfin, je les ai pas abattus parce que sinon je les aurais tués. Sauf qu'ils sont pas morts, ils sont relevés le lendemain, enfin le soir. Donc ça va, j'ai tiré pas sur les trucs vitaux. Et juste, bah, je fais un message parce que je pense que les gens comprennent pas trop que des gens masqués, ça peut être n'importe qui, ça peut être des fous, ils peuvent se faire abattre, quoi. Et là, clairement, moi je pense qu'il faut discuter avec leur chef. Bah, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais. Hier soir, je les ai appelés. J'ai appelé Bads et j'ai appelé Yeah, mais je crois que j'ai appelé Slem. Ils ont pas répondu. Et là, quand je me suis réveillé ici, bah, j'ai appelé les trois et j'ai le troisième après. Pendant que les autres se faisaient braquer, à ce qui paraît. Yes. Moi, je laisse. Oui, ah oui, parce que nous, on s'est fait braquer par 4 bébés avec des AK. Ah, avec des AK, j'avais pas entendu ça. Ouais, ils sont en guerre, Ouais, c'était des petites AK là, des AKU, je hein? crois. Ah, ok. Non, il y en a un qui avait une grosse. Y en a? Ah oui, peut-être. Ah, ça devait être Slave, hein?
Non, non, c'était un autre, je sais pas qui c'était. Et on va toper NS là, c'est le Cameron m'a Ouais. dit là. Ouais, là on va topé NS là. On attend juste 15 minutes, je pense qu'il y a Bah, si, très content de le faire Un quoi. site qui arrive et comme ça on y va comme ça. Hein. Pas besoin d'être complet. Hein. Sauf que là les Ça bébés ils ont marche. dit ce soir donc bon. Je pense qu'ils vont être les 50 là-bas. Ouais, des chances. Ouais. Et on va faire quoi avec Enes? On va quoi? On va en prendre un, prendre ses crochets et puis basta. On va les attraper, je vais les mettre à poil, on va tout prendre et je vais appeler un de leurs au-dessus pour qu'ils arrêtent parce que je sais pas où, pour qui ils se prennent ou autre, faire leur propre loi et dire hey, t'as pas le droit, nous on a le droit, c'est gabinerie quoi. Enfin, s'ils sont dans la criminalité ou dans un bac à sable, mais déjà faire chier tout le temps à taser, taser, taser et quand on répond, ils pleurent et que c'est eux qui pointent aux armes et tout et qu'on pointe, ils pleurent donc ouais. Juste faire notre propre loi aussi, quoi. C'est pas eux qui ont fait des règles, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, je choisis de propres règles, lui. Vous avez des chargeurs un petit peu ou pas? Ça Il peut être y en a qui utile. a, il y en a qui a. Pardon, Allez j'ai mal prendre lu. tous les deux. Elle va en prendre du rayon Je parce sais que toi, t'as pas de balles du tout. Uzi, c'est 5,56? Oui, c'est ça. Alors sur le chat, pas de jugement HRP, pas de jugement RP, sinon c'est banni à vie, hein, je vous le dis. Il n'y a pas de full weed, c'est du RP tout ce que j'ai dit là. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de tirer. Ouais, mais Pourquoi t'as bon. peur de tirer? Moi je te le dis, s'ils nous tirent dessus, il faut nous répondre, sinon, sinon on meurt tous en fait. Et si tu défends pas la famille, c'est la merde quoi. Même ta vie. Oui, je vous promets que je ferai tout pour vous. Promis. Ok. C'est juste que ça me fait peur. Oui, Et bah, je voilà. comprends, je comprends. C'est normal, il faut avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Tu crois quoi? Moi j'ai peur de mourir, hein. J'ai peur des armes. Hein. Les armes, une balle dans la tête, tu crèves quoi. Moi j'ai peur moi. Et les gens, j'aimerais que vous ayez peur quand il y a quelqu'un qui vous pointe et que vous dites de fermer ta gueule quand t'as parlé. Tu peux parler un peu, mais si il te dit une sommation, ferme ta gueule ou autre et tu te fermes pas ta gueule, ils peuvent t'abattre. Il faut avoir peur, il faut faire attention à ça. T'inquiète pas pour ça de mon côté en tout cas. Et tu peux discuter, je veux dire, s'il te pointe, tu peux bluffer un peu, tu vois, une fois. Mais après, pas trop, quoi. J'ai essayé de bluffer tout à l'heure avec les bébés, Ouais. mais bon. On sait, tu te mets le colt sur la tronche. Bah, tu dis un peu de vérité, Ouais, tu t'as dis pas pas envie. toute la vérité, mais tu dis des petits trucs, quoi. Oh, bah, de C'est toute qui façon, moi, cette comme Edgar? je dis, hein, moi, c'était le gars avec les lunettes et les cheveux blancs, là. La crête là? Ah, c'est lui qui m'a topé Ah, la mais dernière ça, fois. c'est. Est-ce que c'est celui qui a des lunettes, là? Des Ouais, lunettes c'est sur bizarres? les lunettes je sais pas, de motard, là, ou je sais pas quoi, Ouais, de motocross, là. c'est sûrement. 7. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est lui qui m'a topé quand j'ai vendu le caddie. Je connais pas tous les VB. Ouais, c'est 7, c'était 7. Donc avec qui tu connais là? Comme ça je les reconnais un peu. Il y avait Il y Slev, avait 7. Slave 7 et je crois qu'il y avait. Là que j'ai pas capté qui c'était, je pense qu'il y avait l'autre, c'était Ichiban. C'est lequel des deux? Parce qu'il y en a un que j'ai déjà rencontré qui m'a agressé aussi. Mais c'était Ichiban avant, avec les c'était il y a deux tatouages. mois quoi. Sur. Avec des tatouages où? Il y a des tatouages au visage, non? Ok. Ouais, bah c'est lui. Ouais, il m'avait tiré dessus, enfin, au-dessus de moi au fusil à pompe. Quand j'étais un civil. Vous avez déjà fait des couleurs de voiture avec eux, VB? Moi, pour Mats, la dernière fois, j'ai envoyé Sid parce qu'il était dans le sud. Ouais, pour Marcus, il avait l'air très sympa. Et en fait, si, sur la peinture, il a dit, je lui ai même demandé, bah, pourquoi vous nous topez. Au début, je savais pas que c'était un VB. Il fait sa voiture en vert VB. Du coup, je dis, ah, bah, ça ressemble quand même à la voiture des VB. Il dit, bah, c'est normal, j'en suis un. Et là, je lui dis, ah, d'accord. Et pourtant, il avait été sympa. J'étais surpris parce que pour moi, les VB, ils sont pas sympas, quoi. Et du coup, je lui dis, mais pourquoi vous nous topez? Et il dit, bah, c'est le business, c'est juste le business.
Du coup, je dis ah, très bien, et ben au revoir et tout. Donc c'était cordial quoi. Mais oh là! C'est un mais. Bon, faut rendre. Hein. On va voir un doc là. Hein. Ouais, bah on peut aller au BCMS, tiens. Allez, tiens. Allez, go BCMS, tiens. Aïe, 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 voilà, je mérite. Et putain de merde. Monsieur Ben, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est juste pour vous prévenir que ça m'a chauffé ce soir. Ah bon, comment ça? Je vais taper deux gangs, voilà. Ah d'accord. Dans le nord ou dans le sud? Ah là où je les vois quoi. D'accord, bon, très bien. Bon allez, bonne soirée. Oui, bonne soirée. Ça taper VB, on va juste discuter, non? Ah bah ça on sait pas, hein. Je préfère dire taper parce que je sais pas ce qui va se passer, hein. C'est, vaut mieux prévenir que guérir. Ah oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est coup de poing. J'ai pris un coup de poing et Cameron aussi, il arrive. Je l'envoie. Ça vous dérange d'aller tous les deux en salle en même temps? Non, pas sûr que non. Attends, il arrive. Je vous laisse me suivre tous les deux dès qu'il est là. Ouais. C'est celui qui est au béret. Hein, j'ai pris une grosse patate dans ma gueule. Oui, je laisse me suivre, on est parti. T'as reçu. Mais Mary, je prends la salune. Hop. Vous êtes fait mal à quel niveau? Il y avait un coup dans la joue. Hein. J'ai eu la même, je lui ai donné la même. J'ai donné un coup sur la joue gauche, là, là-bas. Et je l'ai rendu. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vous mets un peu de pommade et je vous donne une poche de glace, je vous laisserai l'appliquer par vous-même. Ok. Hop. Voilà. Et du coup, la même chose. Du coup, la même, oui. Aïe. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a tapé un peu plus fort, oui. Et j'ai un beau bleu, moi. Bon, ça m'a pas l'air cassé, c'est le principal. Hop là. Bah, je l'ai bien été. Hein. Ah bah, c'est vous qui le dites, je n'étais pas là pour constater. Je vous raccompagne. Merci. Et merci beaucoup. Salut, Nibéry. T'es reçu. Non, mais faites attention à vous, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne soirée à vous aussi. Je sais pas. Et bah, enchanté, Elisa. Patience, évite ta mère. Moi, c'est Félix. Oui, bonsoir, Elisa. Bon, moi, c'est... Salut. Ça va? C'est du haut. Oui, super, et toi? Bon, je sais pas, c'est pas vu. Hein. Je connais pas. On a plus. Ah, oh, oui, j'ai oublié. Non. Non, ça va. J'irai en chercher tout à l'heure. Bah oui. C'est quoi? Non, c'est bon, j'ai acheté à manger à boire. Et les pilules, les dames. Je profite de mes vacances. Bah oui.
je sais plus. Ouais, peut-être, je sais pas. Il y a des gens qui attendent derrière. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ? Non, on attend notre collègue. Non, on attend des gars. Ok, parfait. Nickel. Pas de soucis. Allez, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Une cure. Qui lui? Je vais demander. Ils sont où les autres là? Je crois qu'ils ont fait un gros accident sur la route de Paléto. Ouais? Il y a une voiture, mais ils se sont rentrés dedans. Je crois qu'on attend Félix. Et Félix, il a oublié sa ceinture. Oh là. C'était pas juste un petit. C'était pas une petite patate là. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Bah j'espère aussi. Et vous oubliez souvent vos ceintures, vous, en plus. J'ai pas de boire et manger. Ouais, mange, Edgar. Et c'est bon, j'ai faim là. Sûr ? C'est sûr ? Oui, sûr. Ouais, Boris. Oui, allô. Ça va? Pas trop. Ouais, j'ai mes gars qui m'ont raconté 2-3 trucs. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on parle. Putain, je voulais faire un truc avant qu'on parle. Bon, bah, on va devoir parler alors.
C'est-à-dire faire un truc? Bah, je voulais vous toper pour discuter après, quoi. C'est un peu con, ça. Oui, bah maintenant, on va devoir discuter, alors. Ah oui, parce que j'ai surtout pas l'impression que vous soyez en position de nous toper, mais discuter d'abord. Ah d'accord, ah, c'est un défi, hein. Attends. J'ai ma version des faits, hein, donc bien sûr, tout est relatif, je suis tout ouïe à entendre votre histoire. Ah oui, oui. Sinon, on vous tope et on en parle, quoi, après. Ah ben oui, sauf que là, si tu topes, tu vas bien te rendre compte qu'il y a un problème. Ah, tu peux toujours essayer, hein, mais c'est à tes risques et périls. Hein. Ouais. Parce que moi, de ce qu'on me raconte, mes types, bon, ils tasent, ils prennent de la thune, enfin, ils font leur taf, quoi. Et puis, toi, tes types, ils pointent au Uzi. Bon, après, s'ils décident de braquer mes types, c'est assez risqué péril encore, hein, il fait ce qu'il veut, hein. Mais... Vous avez braqué l'Uzi plusieurs fois déjà, vous. Parce qu'en fait. Nous, on a braqué à l'Uzi. Oui, parce que vous tasez avec votre propre voiture. Donc nous on rétorque à taser vos voitures parce que vous travaillez avec. Oui bien sûr, mais là, bah oui. Non, c'est inconvénient parce que ils sortent avec leur Uzi, ils pleurent, ils disent oh ouah, nous on tasse que les voitures que vous vendez, pas nos propres voitures. Donc à partir de là, ils nous prennent tout ce qu'on a et notre thune et ils se cassent. Donc à partir de là, il y a un problème. Deuxièmement, j'ai rien compris là, Boris. Ah putain, j'ai mis de mal. Bah si tu veux, on se voit avec tous, ok. Ouais, vas-y. Un doute. Moi, je viens de venir solo là, mais. Ok, bah viens solo, ok, pas de soucis. Vas-y, bah on fait ça. Je te mets un point, à tout. Yep. On tiens, je voulais tout. Oui, on récupère. Cid, elle est où? Cabron, tu vas la chercher pour la GB1, je crois. Je l'appelle. Ah, bah la GB200, elle prend la GB200. Non, mais elle peut pas conduire. Elle peut pas conduire. Ouais, je t'envoie Cabron, il vient te récupérer. Non, mais j'y vais, vous allez avoir un accident. J'y vais. Bah, Boris, il y va. J'y vais, vous allez avoir un accident, je vous connais. Elle est où? Elle est où? Elle, je crois. Elle est où? Chez elle, t'es sûr? Chez elle, ouais. Attends, bah, je confirme, mais... Ouais, t'es chez toi? Allez, ça marche, à toute. Putain, je vais les toper et parler après avec eux. Je vais les toper ou c'est eux qui nous retrouvent et tout et on en discute quand il s'est passé avec la voiture là. Ah, l'X trop forte. C'est bien aussi discuté, hein. Ouais, j'arrive chez toi. Ouais, j'attends. Tu peux regarder où il y a de l'essence en même temps? Ouais, pourquoi il n'y en a plus nulle part de nouveau? J'ai pas du tout, j'ai pas regardé, mais j'aurai besoin d'essence bientôt. Vas-y, j'arrive. Ouais, à tout à l'heure. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Prends les radios chez Félix et puis nous on sera prêts. Ouais, ben non, prends plus les radios, on va parler avec MF avant. Ils m'ont appelé donc on va discuter avant. Ok, bah ben, tu. Go au camp et je vais chercher Cid. On va discuter avec Alix parce qu'elle a la version des autres, sauf que je pense qu'elle a pas toutes les versions. Ouais. Et on va discuter avec Alix quoi. Okay. Donc on go au camp et je lui donnerai un petit point dans le nord et on va la voir, ok? Ça marche. Là je vais prendre Cid, elle va se soigner et après on y va. A tout. Ok, vas-y, ça marche, à tout. Après, NS, on sait tous qu'il y aura des frictions tout le temps parce qu'on est des concurrents et c'est normal.
Et je pense que le fait que on voulait rétorquer, mais on n'a pas pu là maintenant parce qu'il y a Alice qui m'appelle, donc c'est bien aussi. Enfin, c'est du... Le RP ne doit pas aller toujours là où tu veux faire, toi. En fait, on voulait répondre, juste répondre agressivement pour dire oh, c'est bon, il y a un moment, faut arrêter, quoi. En fait, le truc, c'est que. C'est marrant parce que Alix, je trouve que c'est celle qui est l'une des plus agressives de chez NS. Enfin, la plus. Ouais, agressive, je dirais, peut-être, ouais. Après, on connaît pas tout, hein. Chaque perso a une. Chaque perso a une vie, chaque perso a une. Alors déjà qu'avec Alix, on était très. Enfin, ça a été très. Et après les autres, c'est bizarre parce que on a vécu pas mal de petites choses avec NS. Bon, même si NS a vendu le véhicule, mais bon, ça va se rappeler tout le temps. Mais c'est une scène qui est normalement pas oubliée. Enfin, si oubliée sans oublier, il n'y aura pas de répercussions derrière. Il y a déjà eu des petites répercussions, il y a eu un truc, quoi. T'as pris une arme ? VB, on va devoir discuter ce soir. NS, je voulais toper, sauf qu'il y a Alice qui m'a appelé pour parler. Donc on va discuter. Tu vas donner tes versions. Félix va donner les versions juste pour parler tranquillement. Et je vais juste lui expliquer Alice. Que. Alix, ouais, de NS là. Alix. Pas, ça va être numéro 3 ou numéro. Ouais, bah numéro. Oui, on s'en fout. Ouais, on s'en fout, c'est porte-parole, on va dire. On va discuter juste. C'est bien de discuter. Ne sois pas énervé. Elle, je crois qu'elle a jamais été dans les coups où on s'est fait taser, où il y a eu Uzi. Parce que là, elle me parlait de tas, sauf que. Elle me disait, oui, mais vous sortez les Uzi. Sauf qu'en fait, c'est eux qui ont sorti les Uzi avant déjà. Attends, quoi ? Oui, mais. Je crois qu'elle n'a pas toutes les versions. En fait, il s'est passé plein de choses de notre côté, mais elle n'a pas tout le monde. Oui, parce que vraiment, à aucun moment, j'ai sorti mon arme sur eux. Hein, que du contraire. Tu sais que j'aurais pu, là, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, hein. Oui, mais exactement. Bon, après, que, non, mais bon, tu te rends pas compte, mais ce con là qui me break, il m'attache, il me prend mon pognon, il se retrouve avec une valise. Il y a son pote qui vient le chercher. Attends, du repointer et... Tu t'es dit. Oui, non, mais j'ai pas sorti d'arme, Boris. Ah, fallait. Mais oui, mais j'avais trop mal. Ah, j'avais oui, eu bah, un accident de moto juste avant, tu vois. Mais si t'as trop mal, c'est la merde. Bon. Mais j'aurais pu, tu vois, les braquer. En fait, c'est marrant mais parce que. La première fois qu'eux ils ont sorti le taser, l'usine dont on n'a pas sorti, c'est quand on a juste répondu à leur taser sur leur pneu de voiture. Et ils ont pleuré et à dire. J'aurais pu l'agresser déjà là tout à l'heure, il était tout seul, et je me suis dit non, je suis pas une pute, tu vois, je préfère s'ils sont plus, tu vois. Là le type il est tout seul, ouais, je trouvais bon, ça nul. Un état d'âme, hein, de la criminalité. Hein. Ah oui, oui, ah ben là j'ai perdu le peu d'état d'âme qu'il me restait, je te le dis. Hein. Le peu que j'avais, c'est fini. Hein. Et c'est marrant parce que. Enfin, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a juste une seule petite version de un des trucs qu'ils font, et ils ont pas tout. Ouais, bah tiens. Je suis étonné. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Alix m'a dit. Elle m'a dit, bah oui, vous avez raison de taser les pneus de nos voitures quand on travaille, même si c'est nos propres voitures. Et j'ai dit, bah oui, non, c'est ce qu'on a fait, sauf qu'ils ont sorti les Uzi, et ils nous ont tout volé. Donc, oui, bah maintenant, on sort les Uzi parce que quand ça arrive, bah, ils veulent nous voler les voitures. Non, parce que si, il y a Jaden qui a sorti d'Uzi tout à l'heure. Parce qu'il avait peur de se faire. Oh putain. Bonsoir. Bonjour, vous allez pouvoir. Oui, qu'est-ce que je peux faire ? C'est un post-op donc ça va. Ah, ouais, c'est un post-op.
Ouais, je me suis fait mal durant l'après-midi avec une chute en moto et du coup, j'avais le truc qu'il y a dans le genou. Là, là. Ah oui, la rotule a été cassée. Qui ça marche, on va aller voir ça. Oui. Venez avec moi. Bonjour, docteur. Ça me fait trop marrer. Alix, elle est vraiment. Mais elle a raison, et je pensais pas que maintenant. Grau. Alors, pour ce qui s'est passé hier soir, bah, je l'ai dit sur mon stream tout à l'heure. Il faut regarder ma rediff. Ah, mais merde, dommage, tu déposes ça. Ah. Ah, tu ne sauras pas alors, jamais. Bonsoir.
Ah la vache. Il n'y a que 6 avocats. Je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus d'avocats. Georgia, Turner et 4. Allez, c'est bon? Oui. Allô? Ouais, tout va bien? Ah oui, il fallait qu'elle fasse la post-op. Ok, ça roule. Là, elle va. Là, vous avez une voiture déjà dans le nord, non? On va sortir les gens. On a sorti une Zinke en plus, au cas où. Ok, bon, vas-y, bah, on arrive et on va donner rendez-vous à la demoiselle juste en face. Vas-y. Ça marche, vas-y, à toute. À toute. C'est qui que t'as fumé hier exactement? C'est Alors, au début, on n'était pas parti pour ça, on était parti pour soit topé. Mais non, mais je sais, mais au final. Je sais, Brock et l'autre, je sais pas qui. Ah oui, parce qu'il y avait Brock là. Brock et. Bah, il faisait le post-op, je pense. Brock et. Bah, je crois que c'était. Bah, je sais. Et si, normalement, je le connais, lui. Brock, lui, il sait pas qui je suis, alors qu'il sait qui je suis, ça m'énerve. Et l'autre c'est. Putain, il a des cheveux, il est toujours bien. Mais j'ai pas compris pourquoi il a sorti le téléphone. Il a des cheveux, il a des. En plus, bah, c'est déjà pas mal, hein, des cheveux. Tu sais ouais, qu'il y a beaucoup. Une maladie là qui se répand sur l'île quand même. Hein. Ah ouais? Bah, mec, j'ai l'impression que tous les hommes deviennent chauves. Hein. Non, c'est des maladies, des balles dans la tête aussi. Bah, non, mais regarde, toi, c'est pareil, tu vois. Oui, parce que j'ai reçu une balle dans la tête. Fin. Ah, d'accord. Bah, arrêtez de prendre des balles dans la tête. C'est pas moi qui vise. Regarde-moi, il y a de l'essence où là, dans la tête. Alors, il y en avait à la 13, mais du coup, il y a tout à fait une autre route. Attends, je regarde. Sur la droite, là, quand tu descends et que tu arrives sur la route 68, ouais. Il y en aura. À 17, à 18, c'est tranquille, quoi. La droite alors. Oui. Après celle de gauche, il me semble aussi hein. C'est laquelle celle de gauche, hein, je sais plus. Hein. Bah, je sais pas si t'arriveras jusque là quoi. Je sais pas. Oui, celle t'as dit celle-là, elle est bonne. Celle-là là. Oui oui oui. Il y en a dans celle un peu plus loin là. Tu peux mettre le point de là où on fait d'habitude le rendez-vous en face de chez nous. Oui, si tu veux, oui. Sinon, on va ailleurs. Voilà. Pourquoi on va voir qui là? Alex de LS. Ah oui, c'est vrai. Tu peux me donner de l'argent? Ah oh bah ça va être compliqué là. À zéro? J'ai 8 dollars si tu veux. Tiens. Ouais, rien. Bah j'ai 1000 dollars mais c'est pas... Ouais, ouais putain. Ah y'a une banque la prochaine et la station en face si tu veux. Ouais. Hi there.
guy there. Oh Boris, ça fait chier, je pisse. Hein. Ah. Chaque fois que j'arrive en ville, je pisse. Je sors de mon appartement, je pisse. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans l'air hein, qui fait jouer mes rats, c'est pas possible. Elle est incoming. On va peut-être l'avoir démarré, hein, parce que bon, c'est pas comme si là on passait pas à côté de chez elle. Casse-toi, bâtard! T'es déjà devant, hein. Ah oui, c'est possible. Hein. Bon, pour vous expliquer, on va voir NS Alix qui va donner les versions de ces personnes. Moi, on va donner nos versions tout simplement. On va juste dire qu'est-ce qui se passe. Donc, chacun a été tasé les pneus. Donc, les tasés les pneus, on s'en fout. Derrière, on a répondu aux tasses de pneus sur tasses de leurs pneus à leur propre voiture. Sauf que eux, c'est eux qui ont commencé à pleurer et à dire oui, nous on le fait dans des véhicules volés et pas dans vos propres véhicules. Sauf que eux ils bossent comme ça et on en a rien à foutre. Si, moi ils m'ont tasé, ils étaient dans leur contender. Voilà, oui bien sûr. Donc ils étaient dans le contender, donc c'est normal de répondre parce qu'on sait qu'ils bossent avec ça et qu'on les suit et qu'ils bossent avec ça. Sauf que eux ont commencé à prendre les Uzi. T'es à qui a fait ça? À qui de chez vous? L'autre là, David Alves avec deux de ses potes. Et voilà, donc ça tu donneras et, cette version. Là, tout à l'heure, il y a le type là que j'ai vu. Il m'a braqué, c'était pareil, il a sorti son Uzi. Voilà. Donc ils ont sorti les Uzi avant qu'on les sorte, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on est des criminels, on peut comprendre. Et par exemple, je crois que c'est Jaden qui, pendant qu'il volait un véhicule, bah, il a vu des conteneurs arriver et se rapprocher, donc c'est pour ça qu'il a. Un voleur, et donc il a juste défendu sa voiture, ce qui est logique, parce que t'es un criminel, et donc t'as commencé à pointer pour qu'il se casse. Sauf qu'est-ce qu'ils ont fait Derrière, une heure après, ils m'ont chopé, quoi. Ouais, ils t'ont chopé pour. On mettra pas les prendre tout d'argent. De les avoir braqués. Mais voilà, ouais. Donc on va leur expliquer clairement. On est là à parler pisse pour l'instant. Moi je voulais les toper, sauf que c'est elle qui m'a appelé avant. Donc on va discuter parce qu'elle a juste une des versions d'une des personnes. Sauf que quand elle va avoir toutes les versions, j'aimerais bien savoir ce qu'elle va penser, quoi. Vous donnez vos versions et après c'est moi qui discute. Hein. On coupe pas les paroles et tout, ok? Voilà. Yes. Juste que comme ça elle comprend parce qu'elle a pas toutes les versions et que. C'est quoi pour le coup, je vais prendre un air désappointé. On s'en fout, c'est juste qu'elle veut savoir.
En fait, moi, je voulais les topper pour après discuter, mais elle m'a appelé avant qu'on les tope. Ça arrivera un jour, Sid, c'est partie remise. Mais de toute façon, on verra ce qui va se passer. Mais... Tu sais, là, tout à l'heure, il était tout seul. Je me dis, bon, je vais pas... Mais non, il était tout seul, tu vois. Je me suis dit, je veux qu'il sorte plus, tu vois. Et je le tope pas, je vais un peu plus loin. Je patiente 2-3 petites minutes. Et puis, je me dis, bon, bah, c'est bon. Et du coup, j'y retourne. Et en fait, il s'était caché. J'ai vendu ma voiture, il est arrivé dans mon dos avec son arme. Il m'a pris mon argent en m'attachant. Et puis, tu sais, du coup, il s'est retrouvé avec une valise. Et je lui dis, et maintenant? Et puis, il me dit, ah, tu sais, il y a son pote qui arrive en voiture pour venir le rechercher. Il monte dans la voiture, tu sais, il m'a détaché. Et je me dis, je pourrais tellement le braquer, tu vois. Mais j'avais mal à mon genou. Et juste avant, j'avais eu un accident. Mais je pouvais, mais je l'ai pas fait, tu vois. Ouais. Vous faites ça, vous faites par chronologie, hein. Tu parles à ça à la fin, ça, c'est... c'était juste avant Jaden. La prochaine fois, je te le dis, tout seul ou pas, Oui. En fait, tu braques, tu dis qui c'est, et tu prends ce qu'il a et il se casse, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut. Je te le dis, si j'ai un garçon avec moi, je le dessape. Oui, bien sûr. Il va finir à poil pour repartir, je te le dis, hein. Oui, mais t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. C'est... Oui, donc là, chronologie, n'oubliez pas. De quoi chronologie? Ah, d'abord c'était. Tu commences par la première histoire pour. Non, c'est le taser, c'est toi qui tasses le pneu. D'abord. Ah, bah oui. Étape par étape. D'accord. Oui. Ok. Yo, bon, allez. Finalement j'ai ramené les types qui étaient sur place. Oui, pas de soucis. Pas de problème. Tu veux qu'on commence par quoi? Par le début? Bah, raconte-moi ce qui te pose problème. Bah, moi, il posait fin pour ce problème. On est d'accord qu'on est concurrents, et c'est normal de se mettre des bâtons dans les roues, ce qui est logique. On n'est pas des gentils, ni vous, ni nous. Donc, tout taser les pneus, pas de soucis. Le moment où on a commencé à rétorquer, parce qu'au début, on rétorquait pas. Au moment où on a rétorqué, on crève un pneu de. Tu peux expliquer si tu veux, c'est toi quelqu'un par rapport au pneu. Ah, oui, bah. J'ai pété un pneu hier, du coup, du balleur, et là-dessus, on commence à sortir les armes. Alors oui, parce qu'en fait, il s'avère que du coup, ça n'a rien à voir avec le taf. Parce que vous pétez le bowler d'un de mes types. Ah bah oui, mais la moto, c'était pas mon taf non plus. La moto, quelle moto? Bah, la moto qu'ils sont venus me taser. Elle faisait pas partie de mon taf non plus. Et tu parles de quel jour? Bah hier. Ouais, c'est hier. Hier, ils ont... De la moto que t'étais en train de crocheter sur la Zanadus, oui, on est d'accord. Oui, mais c'est pas parce que je crochete... Non, c'est pas parce que je crochette que c'est pour mon boulot. En fait, mais ça, c'est pas mon oui, problème. Mais en fait, le moment où tu crochettes, c'est que tu crochettes. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que si on rétorque, il faut pas pleurer parce que c'est votre propre voiture. Enfin, vous tasez le pneu, bah, il vous tasse votre pneu à vous. Juste après. Ouais, je crois qu'il y a un truc que vous saisissez pas. Okay. À partir du moment où tu crochettes un véhicule, ouais. Tu le crochettes, c'est un véhicule volé. Ton travail, c'est quoi? C'est de voler des véhicules. Oui, mais d'accord. Donc, mais oui. Je m'en fiche de ce que t'en fais derrière, tu voles un véhicule. Moi, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que t'as des crochets sur toi, t'es en train de les utiliser. Moi, mon bis, c'est de te mettre des bâtons dans les roues pour pas que tu les utilises. D'accord, donc... T'en fous de quel véhicule, de ce que t'en fais. On est d'accord que tu l'as tasé juste après, direct? Tu l'as tasé quand... Dès que je l'ai revu, oui. Avec la même voiture? Ah oui, c'est quand on était en train de parler avec vos collègues, là, avec Kathleen. Ouais. Oui, mais là, tu tases un voleur que personne n'a crocheté, puisqu'il nous appartient, le voleur. Oui, mais c'est vous avez fait le vandalisme avec. Votre logique n'a aucune logique pour moi, en fait. Donc, on était en train de discuter avec des membres de votre groupe. On était tranquillement en train de discuter. Hein. Attends, mais j'aimerais saisir le truc. Oui. En gros, vous avez crocheté une moto, mais type ont tasé la moto que vous avez crochetée et ça vous a pas plu? Non, on a juste rétorqué. On a tasé le pneu avec quoi ils ont véhicule. Mais le but, ce qu'on a toujours dit depuis le départ, c'est tu voles un véhicule, on te croise, on te tase. Oui. Vous faites la même chose. Alors pourquoi tu viens taser un véhicule dans lequel ils sont en train de rouler? Alors on fait la même chose, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Non mais, je m'en bats les couilles, juste on se tape sur le taf. C'est la base, c'est la base des règles d'un business. Et on se tase sur le taf. On vous prend vos crochets, on prend la thune du taf, je m'en bats les couilles, faites ce que vous voulez. Juste quand ça n'a pas de rapport avec le taf, si vous voulez qu'on commence à monter là-dessus et à grimper les échelons, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, ce que vous avez fait n'avait rien à voir avec le taf. Mais en fait, c'est là que je comprends pas. Ça veut dire que tu tapes dans le taf et 10 minutes plus tard, vous êtes toujours même voiture, mêmes amis, même tout. Tu penses que vous êtes, on peut pas vous taper là-dessus?
Mais attends, je comprends pas. Ça veut dire que le fait qu'on se tape sur le taf, tu le comprends pas, ça? Ah si, je le comprends. C'est juste que tu restes avec ta voiture et tout. Taser un véhicule qui nous appartient, qui est le nôtre. Parce que vous l'avez fait avec ce véhicule, en fait. Tu l'as tasé 5 minutes avant. Mais vous voulez vous venger à chaque fois qu'on tase? Moi, tu me tases, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas gentil, venge ta voiture au lieu de... Bah, je sais pas. Mais en fait, je crois que vous avez pas compris. Nous, on veut juste taser les voitures que vous êtes en train de taper. Si vous voulez taper les voitures perso, pas de problème. Mais dans ce cas-là, on va taper vos voitures perso. Attends, mais je crois que vous comprenez. Non, mais c'est vous qui comprenez pas. Vous faites une connerie, ok? Vous voulez foutre la merde sur nous. Mais non, mais d'accord. Mais putain, changez de votre putain de voiture si vous voulez qu'on pas vous rappelle dans 5 minutes après. On va pas dire bonjour, on va pas se faire enculer et dire bonjour. Quoi faire? Attends. Ouais, bon, ouais. Pas de soucis, je pense qu'on comprendra pas. En fait, il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, du coup, apparemment, de ce que je vois. C'est que si nous, on vous tase un véhicule ou qu'on vous prend la thune ou quoi que ce soit, derrière, vous voulez vous surenchérir. C'est une vraie question, hein. Pourquoi c'est ça que vous voulez derrière? C'est vous venger en gros de ce qui s'est passé avant. Parce que nous, c'est pas du tout notre point de vue. Tu me tases, je vais pas venir te chercher derrière. Si je te croise, je vais rien faire. Tu as fait ton taf, t'es venu me baiser, me mettre des bâtons dans les roues, faire ce que tu veux. Bah, tant mieux. Ah, je sais pas, moi, on a pas le même point de vue. Moi, j'ai pas le même point de vue. Moi, je pense que quand tu tases ou tu fous la merde dans le business. Ah, s'il vous plaît, si vous voulez pas vous faire taser, changez de voiture, enfin faites votre truc. Le problème, c'est que ça invite la surenchère. Et c'est pas notre but à nous. Moi, tu viens taser sur le taf, bah ok. Bah j'accepte mon sort et je continue ma vie. On va parler de mon cap parce que c'est pas de la surenchère, ça. Je sais pas ce que c'est du coup. Mais... Écoute. J'allais crocheter, sauf que je vois un bowler arriver. Je regarde vite fait, je crois reconnaître une veste NS, mais je suis pas sûr. Non. Ouais, bah je me suis trompé du coup. Mais j'ai braqué le truc parce qu'il a ralenti quand j'allais crocheter, donc je l'ai braqué au Uzi. Il se barre, je m'en fous. Et je sais pas, peut-être 30 minutes, une heure après, il me chope parce que je l'ai braqué du coup. Je défends mon biz, et c'est vous qui surenchissez. En me kidnappant une heure après quoi. Bah après ça tu break au Uzi, hein, c'est à tes risques et périls, hein. Voilà, bah, c'est... mon problème quoi, donc, c'est que vous avez le droit de tout faire, nous on a rien le droit de rien faire. Jamais dit ça. Ah oui, mais là tu surenchis. Oui, mais c'est ce que moi tu me tapes sur le taf, je ferai jamais rien pour toi. Sauf que là t'as voulu taper dans le taf, on a dit casse-toi ou autre, tu reviens une demi-heure plus tard pour prendre tout ce qu'il y a dedans. Il y a un véhicule qui t'approche sans veste de notre part et qui ralentit à côté de toi, c'est nous. Non, on s'en fout. On pointe n'importe qui. Écoute, c'est bien ce que je vous dis. Nous, on est là, on passe à côté. Tu nous braques, bien sûr qu'on va venir derrière. En fait, tu me braques en toute impunité. Non, laisse tomber, c'est bon. Ok. Non, laisse tomber. Ok, bon, bah, fini de discussion. Vous pouvez y aller. Alors. De toute façon, discuter. Non, pas fini. Ah, si, moi, je vous le dis. Ouais, non. C'est vous qui tirez. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de problème. Si, moi vous avez au non. Tout ce que je vois, c'est qu'on n'a pas le même point de vue. Oui, ça c'est clair. Ouais. Si vous faites taser les pneus ou piquer votre thune ou piquer vos crochets, vous allez rétorquer derrière. Nous, c'est pas notre cas. Non, mais là, t'es en train de dire que donc Jayden, il aurait dû se faire taser gentiment, quoi. Sauf qu'on n'avait pas du tout prévu de taser. Mais on s'en fout ce que vous faites. Que je le sache, genre, si vous êtes pointé, cassez-vous et ne revenez pas. C'est vengeance. C'était Mirror VD. C'est pareil. Tu braques, mais tu braques des gens comme ça dans la rue. Bah oui. Pour la voiture. Pour protéger la voiture. Je travaille, ils me laissent travailler tranquille en fait, c'est tout. Ouais, bah tu crois ça. Ils vont ralentir plus loin en fait, c'est tout. Il va te laisser aussi tranquille. Je crois pas. Ah, surtout si c'est vous, oui. Normalement, oui. Oh bah d'accord. Là, j'essaye d'être diplomate au max, mais vraiment, on a même pas été chiant. Je lui ai même pas tout pris. Je lui ai laissé la moitié de son fric. Je lui ai laissé ses armes, ses équipements. Si après vous pensez que c'est encore à être con, croyez-moi, je peux être beaucoup plus con que ça. Moi, je suis là juste pour chercher une solution. Hein. Sinon, je t'aurais pas appelé. Hein. Mais, oui, mais on n'est pas, pas le même point de vue. En fait, pour moi, on n'est pas le même point de vue. C'est-à-dire que pour le premier point, je peux comprendre. Si le deuxième point, vous le comprenez pas, c'est la même chose. C'est-à-dire le deuxième point où vous avez essayé de faire quelque chose. Bon, on s'en fout que c'est vous ou pas vous. Vous avez essayé d'attaquer ou de faire ce que vous voulez, on s'en fout ce qui s'est passé. On pointe pour que ça se casse, pour qu'on puisse faire notre boulot. Et derrière, 30 minutes plus tard, vous allez. Je me rends compte que braquer, c'est pas la même chose que taser des pneus. C'est pas parce que vous jouez au taser que nous, on doit jouer au taser aussi. Je parle pas de jouer au taser. Si tu veux, je sors mon Uzi et t'as un canon sur la tempe. Et on le sait. Non, mais c'est juste que je joue pas au taser, c'est tout, j'en ai pas. Si tu me braques, si tu mets un canon qui peut me tuer sur la tempe, oui, c'est pas pareil que te taser les pneus.
Ça n'a rien à voir en fait. Oui, mais on protège notre bise à notre façon. Mais tu protèges ton bise à ta façon. Y a aucun problème. C'est juste qu'on va protéger le nôtre à notre façon et que du coup ça va partir en couille. Ah, pas de souci. Bah ça partira en couille, on discutera. Mais oui, mais. Je le protège. Moi non plus, sauf qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Mais oui, mais on n'a pas le même point de vue. Là, on est. Toi, t'es blanc, moi je suis noir ou vice versa et on n'est pas d'accord. Donc on a deux points où on discute. Tout ce que je note de cette discussion, c'est à partir de maintenant, quand vous voyez une voiture qui approche, peu importe qui c'est, vous braquez pour défendre votre taf, c'est ça ? Oui, exactement, oui. Et bah j'en prends note. C'est tout. On tire pas, on pointe, on veut pas se faire. On a eu trop de soucis et on n'a pas que vous. Je pense que vous, pareil, vous avez pas que nous. Mais bien sûr qu'on n'a pas. Que chacun protège son bise. Moi j'ai pas de soucis que vous tasez, j'ai pas de soucis autre. Si juste vous protégez votre bise avec des usines, il n'y a pas de soucis. Tout ce que je dis, c'est. Derrière, on va pas rien faire de se faire braquer. Oui, mais normal, c'est logique, mais c'est la réponse de tout. C'est-à-dire que. On arrête, mais là. En fait, on. On n'arrête pas avec des Uzi. Oui, on arrête quand c'est le pur bise, quand c'est juste taser des pneus et prendre des crochets. Mais pointer, c'est du bise. On se défend entre nos pneus, nos voitures. Les gens nous volent vos véhicules. J'ai fait du recel, j'ai fait de la dope, oui. J'ai fait des voitures. Je comprends que vous soyez nouveau, mais ouvrez un peu les yeux sur ce qui se passe. C'est pas comme ça la vie. Oui, enfin. Là, franchement, l'idée que vous avez, ça te fait bisounours. Oui, bah si tu. Ouais. T'es en train de me parler de bisounours. Attends. Non, mais tu vas fermer ta gueule parce que tu parles de bisounours alors que vous êtes en train de pleurer parce que vous tasez et vous voulez qu'on tase. Nous, on joue avec rien du tout. Nous, on protège notre business avec ce qu'on veut. On veut pas te faire de balance ou de escalade de la violence et c'est vous qui le faites. Parce que nous, on peut pas le faire, mais vous pouvez le faire. Et vous parlez de business ou autre, on protège ce qu'on peut avec ce qu'on a. On est nouveau, j'en ai rien à foutre. Vous avez une ligne directive, moi je l'ai pas, moi cette ligne, j'en ai rien à foutre. Et il n'y a pas de souci. Eh oui. Bien sûr, vous protégez votre bise avec des usines. C'est juste, je viens prendre les infos en fait de ce qui se passe et je viens pour que ça ne parte pas en couille. Et je t'explique qu'on ne fait pas d'escalade de violence parce que cette demoiselle a été. Elle aurait pu pointer un de chez vous, elle ne l'a pas fait. Elle a vendu le truc, elle s'est fait pointer par usine directe, zipper, prendre la mallette. Elle a dézippé, lui il avait la mallette. Ça, c'est normal. Oui, d'accord, mais oui, attends, j'ai pas fini. Non, ce que tu veux. En fait, ce que tu veux pas comprendre, c'est que sur l'instant, il s'est retrouvé du coup avec ma mallette et moi je pouvais très bien le pointer et je l'ai pas fait parce que je veux pas qu'on utilise. Oui, mais parce qu'il y avait l'autre, on voulait pas faire les mêmes armes. Après, c'est chacun son point de vue. C'est pareil, c'est comme quand j'ai tasé du coup le véhicule, le baleur. Pour moi, comme c'est pas un véhicule de base que voilà qui m'intéressait pour mon bise, c'était pour me déplacer étant donné qu'il y avait des problèmes d'essence. C'est pour ça que j'ai fait le même avec eux, mais je m'attendais plus du coup à ce qu'on se retrouve avec des armes, enfin, pas avec des armes, pardon. M'exprime mal, mais avec du coup qu'on se bagarre au point, au pire, mais qu'on sorte pas les armes directement. Sinon, en fait, j'aurais braqué tout le monde directement. En fait, ils étaient dans la voiture, c'était trop tard. Vous avez sorti deux fois les Uzi avant qu'on sorte l'Uzi, donc bon. Ouais, je voulais à la limite. Mon but, c'est que ça ne parte jamais en couille. Oui, mais nous, c'est pareil. Après, bien sûr, le Uzi, il faut toujours le sortir en premier, sinon tu te fais prendre à revers. C'est le concept, c'est qu'une balle, c'est une balle, et si tu sors ton. Si on sort sans Uzi, bah en fait vous sortez le vôtre et puis on est baisé. En fait, Alex, pour t'expliquer, si ça va trop loin, il y aura une discussion. Je ne suis pas là pour à vouloir voir mes gars mourir ou tes gars mourir. Si ça va trop loin, il y aura une grosse discussion et on s'arrangera. Pour l'instant, on n'est pas encore allé loin, mais c'est vrai que cette discussion est importante, on n'a pas les mêmes points de vue, et on s'en fout de qu'on est nouveau, que vous êtes vieux ou que vous avez des trucs. Si on est nouveau, bah on se prendra peut-être des murs ou vice versa, mais on va changer les choses. Donc je peux comprendre ce que tu dis, on n'a pas les mêmes points de vue, et si ça va trop loin, ne t'inquiète pas, on ira pour discuter. On veut pas abattre les gens des autres, et vous c'est pareil. Il y a des moments où on va s'en mettre. Diplomatie avant tir de notre côté en tout cas. Oui, bien sûr, mais moi c'est de mon côté pareil. Il y aura, vous allez nous mettre des droites, on va mettre des droites, quand ça ira trop loin, on va discuter. C'est ce qui s'est passé. Le vol de ma GB200, on a discuté, on s'est pointé, douce bordel, et à la fin c'est oublié, il n'y a pas de rancœur. Les histoires, c'est des histoires qui vont arriver. Vous allez nous prendre cher, on va prendre cher, vice versa, et on arrêtera. Et pour l'instant, oui, bah j'allais, c'est ce que je dis. On va pas le faire là. On va calmer les choses maintenant. Cette discussion, elle va être calme. On verra par la suite. Il y aura pas de retour. Oui, je voulais vous attraper pour discuter. Là, on a discuté. Pour moi, cet arc, elle est finie. Mais peut-être que dans une heure, on repartira. Mais voilà. Parce que c'est de bonne guerre. Hein, oui, mais bien sûr, on n'est pas des civils, on va s'en mettre cher. Tu vas sûrement me mettre des patates, vice versa, et on va se mettre cher. C'est le but. On n'est pas des gentils, quoi. Yep. Donc t'inquiète. Bref. Bon. Ah, voilà. Vas-y. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc ça va que dans un sens.
Non mais c'est bon. C'est compliqué la discussion là. Oui mais enfin c'est très bizarre et c'est un point de vue que je comprends un petit peu de leur côté, mais c'est pas mon point de vue et c'est pas le nôtre. Oui mais non, parce qu'en fait pour moi ça reste son point de vue. Mais oui, comme j'avais pas besoin de la moto, et ça veut dire quoi? Que toute personne qui crochette dans la ville, oui, ils c'est sont ça. Les pneus, ça oui, m'étonnerait c'est... bien oui. que SVB c'est ce qu'ils font. Faire quoi que ce soit. Bah, je sais pas, mais c'est ce qu'ils pensent. Après, si je vois qu'ils tassent pas un mec qui va VB, c'est moi qui vais taper. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, parce que c'est full pas normal ce qu'ils font. C'est complètement con. Et moi, je suis désolé, après... quelqu'un qui s'arrête un peu plus loin. Oui, mais oui, ça. Ouais. Il a eu, je trouve que la réaction oui, de Jaden est normale. Jaden était parfait. Enfin, Jaden, il n'y a rien à dire. On va, là, sur ce point de NS. Ouais, je sais. Oui, alors, sur ce point NS, on a discuté, je veux plus rire. Ok? NS, c'est rien, et on verra ce qui va par la suite. Ce que vous avez fait est parfait. Continuez sur votre lancée. C'est-à-dire que si tu vois quelqu'un qui se rapproche de ta voiture que tu dois vendre pour ton bise, tu pointes l'usi. Et s'il y a rétorcation, il y aura rétorcation. Et après, si ça va trop loin, on en discutera. Et vous avez tous bien fait et autres. Pour les tasses, même chose. Moi, je préfère qu'on tasse les pneus, même si c'est le véhicule pendant qu'ils bossent. Après, oui, l'UE, pour moi, de mon côté, s'ils tassent avec leur propre véhicule et qu'on les retrouve 10 minutes, le même véhicule, même habit, c'est qu'ils se foutent de ma gueule. Et ça, on répond. Ça, il n'y a pas de souci. Et ça, s'ils ne comprennent pas, on sera toujours au mauvais point de vue. Et je voulais les toper. Bah maintenant, on arrête avec NS et on verra les prochains jours, ok? Après, est-ce que c'est bon pour tous? Moi, ce que je... Oui, juste... Okay. Comment dire, j'ai pu... Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que en gros, c'est difficile de savoir si la moto... Eux, ils peuvent pas savoir en fait si tu allais l'utiliser pour la vendre ou mais pour te déplacer. Non, mais pour moi, c'est pareil. Et... En fait, pour moi, tu dois... Ils vont pas... Oui, mais en fait, je vais t'expliquer un truc. D'où si oui. quelqu'un crochette, que ça soit VB, DP, n'importe qui, on doit le toper en fait. On doit le toper et prendre ces putains de décrochages et t'as nous. Parce que c'est des business. Et d'accord. On s'en fout. Et ça, c'est ouais. un truc qui est un peu important. Ça, c'est la bite. Bah, je sais pas s'ils le ont, font. Ils ont fait, globalement. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont voilà. pas topé, mais. Oui, voilà. Et c'est ce qu'ils devraient faire et c'est ce que nous, on devrait faire. Le mec qui vole des véhicules, c'est pas nous qui le vont donner. Bah, on lui vole tout. On dit, bah, hé, hey, ça vient d'où? Hop, allez, tu dégages. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais. Et donc, voilà. C'est un okay. point, c'est tu vois un mec qui haute, bah tu prends les crochetages, tu crèves le pneu et on se casse quoi. Du coup, on est d'accord que même si voilà, c'est une PM, on le fait quand même. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais faire, mais toi tu voulais pas, tu disais oui, mais les PM machin, mais en fait il y a pas le choix. Oui, mais t'inquiète, c'est bon. Puis c'est tu veux qu'on s'attaque de PM? Non, on s'attaque à tout le monde qui crochetage. En fait, c'est ça. En okay, fait, tu t'attaques. En fait, pas t'attaquer, c'est que tu vois à qui c'est ce crochetage. Ouais, si c'est les nôtres, voilà, tu prends juste des crochets et ils dégagent. Tu vois, c'est pas autre. Ouais, okay. S'ils comprennent que ouais. s'ils veulent bosser, bah ils ont qu'à bosser avec nous s'ils bossent bien. Ils peuvent bosser aux deux, tu vois. Donc on s'en fout qu'ils bossent avec eux. Moi, on a bossé avec des gens qui bossaient aux deux avec eux et avec nous. On s'en bat la race. Moi, j'ai Eden. Ouais. Et voilà. Et y a pas de souci. Donc vous bossez, s'ils voient, bah tu prends les trucs et tu te casses quoi. Voilà. Ok ? Oui. Oui. Et après, s'ils tasent avec leur voiture et qu'ils restent avec leur voiture direct après, bah oui, tu peux répondre au taser, quoi. Et oui, t'as raison de défendre ta voiture en usine. Enfin, c'est logique. Bah, de toute façon, oui. Je pense que c'était logique pour tout le monde, ça. Oui, oui. S'il y a juste eux qui comprennent pas. Hein. En fait, ce qu'ils disent, c'est que... T'aurais dû te laisser faire taser tranquillement. Et... Oui, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils comprennent pas qu'il n'y a pas que dans la ville et que nous, bah là, il y a VB, il y a plein de gens qu'on va devoir s'embrouiller. VB, on va en discuter, je pense que ça va pas en aller arriver là, parce que vu que j'en ai des 13 et 2, j'espère qu'ils vont comprendre. Mais bon, je vais voir si je peux m'arranger pour faire du business avec eux et voir si on peut s'arranger dans la chose, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà. C'est bon pour tout le monde ou pas? 6 mois. Oui. Oui. Et moi j'aimerais dire un truc, hein, ouais. C'est que en fait eux disent qu'ils font ça à tout le monde. Ben c'est pareil pour nous. Et oui. Du coup qu'importe quand l'autre il s'est fait braquer parce qu'il dit ouais j'avais pas, il avait pas la veste. Enfin il avait l'air d'être bien au courant, tu vois. Donc bon on sait que c'était eux. Mais du coup ils disent oui mais si nous on n'a pas l'assurance que c'est eux, du coup on peut pas le faire. Enfin c'est full débile. Hein. Non mais nous on s'en fout. En fait dis-toi que eux ils ont leur propre truc point de vue. Nous on s'en fout de leur point de vue parce que nous on est nouveaux et on s'en fout. Il y a pas de tu sais dans la criminalité il y a pas de règles ou de lignes directives. On fait ce qu'on veut et on est libre. Et nous on top n'importe qui, que ça soit police, que ça soit LSPD, que ça soit civil, que ça soit des gangs, tous c'est pareil. On prend s'ils volent des véhicules on prend tout quoi. La police qui vole des véhicules. Ah bah tu sais, j'ai déjà fait ça. Hein. Un mec qui était en train de... Bah il a pu voler pas, mais il a montré son badge, il est rentré. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Hop, je l'ai menotté, j'ai mis un point et j'ai pris la voiture. J'avais même pas besoin ah oui. de mettre un crochetage. Ouais.
ça m'a économisé un crochetage, je me prends pas la tête. Hein. C'est du win-win. Hein. D'accord. Bon, bah, maintenant, du coup, tous ceux qui crochettent et qui ne travaillent pas pour nous ou qui est nous, on les top, du coup. Oui, voilà, tu les top, voilà. D'accord. Tranquille, tu les top, et... tu prends les crochetages, et si c'est NS, tu prends crochetage et la boîte qu'ils ont sur eux, quoi. Ok. Bah, du coup, ouais, okay, bien, on va faire ça. Noté. Du coup, je tiens à m'excuser auprès de chacun d'entre vous. Oula. Parce que, comme j'ai pas de mémoire, il se peut que j'aie de vous agresser en ne sachant pas que c'est l'un de vous. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà, je suis sincèrement désolé. C'est vrai qu'elle, ouais. Vous savez que je suis désolé. Ouais, bah bon, tout à l'heure, j'ai un type, il m'a parlé comme si on était potes depuis 20 ans. Il m'a redéposé chez moi, il m'a dit ah oui, c'est vrai que t'habites là et je sais toujours pas c'est qui. Ouais, putain. Bon, peut-être du coup, quand tu braques quelqu'un, tu dis t'es qui? Et l'autre dira Félix de Symbiose. Peut-être. Je pense que tu vas t'en apercevoir quand il sera devant toi. Il m'a fallu une semaine pour réfléchir à où est-ce que j'avais vu une certaine casquette d'un type qui est venu me parler avant de me rendre compte un soir de me dire mais putain, c'était Warren. Donc j'en suis désolé d'avance, quoi. On va se faire braquer. Et par la propre famille. Oh, oui, désolé. VB, ils t'ont dit vers quelle heure? Je sais pas. Et du coup, là, on doit acheter VB, là? Je sais pas, je vais dire... Parce que là, on est chaud et on est déjà en place autant qu'ils viennent. C'est vrai, je vais voir si... Ça vous dit qu'on prenne tous le Super Diamond et qu'on aille au rendez-vous avec? Non, mais arrête, c'est vraiment toi, tu veux vraiment mourir. C'est une très bonne idée. Moi, j'aime beaucoup. En fait, le problème, c'est que je sais pas... Enfin, je vais discuter avec eux. De toute façon, vous avez pas trop... Vous restez là et tout. Je vais discuter avec eux parce que je sais pas ce que j'aurais pu faire autrement. Ils vont peut-être me dire un truc ou autre. De toute façon, je pense que... Je te le dis, hein, je vais être honnête avec vous. Hein. Si c'est à refaire, je le referai, en fait. C'est ça qui est triste. Et comment est-ce qu'on réagit si ça tourne mal sur le rendez-vous et qu'il y en a un qui te plombe ou quelque chose? On fait quoi? Bon, on les fume tous si Boris est fumé. Ah oui, on les fume tous, là, oui. Ouais, d'accord. Hein. J'espère que ça va pas arriver là, mais si ça commence à être tendu, vous sortez toutes vos armes et vous pointez. Hein. D'accord. Je sens que Félix va sortir dès qu'il sera tendu. Il va se faire dessus, Félix. Je vais faire le moins mieux. Normalement, logiquement, en connaissant VB, même s'ils sont très durs et autres, ils vont pas faire un move. Je pense que ça va être tendu. Je peux comprendre qu'il y a eu deux personnes chez eux au sol. Ils n'ont pas les infos. Je vais leur donner. Derrière, en fait, le truc, c'est que j'espère, vraiment, je vais être honnête avec vous, j'espère qu'ils vont se rappeler que je les ai déjà pointés et que j'ai jamais tiré. Et qu'ils vont comprendre pourquoi j'ai tiré. Vraiment, c'est... Ça, tu l'as dit, vous allez prendre cher. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas les infos, oui. Ils n'ont rien. Je comprends. Moi, je honnêtement, hein, je suis VB, je vois Félix et n'importe qui à terre, que c'est VB, je réfléchis pas et je brûle tout, tu vois. Je les kidnappe direct et je veux savoir pourquoi et tout, tu vois. Alors que peut-être que c'était eux qui avaient fait de la merde, mais oui, bah je réfléchis pas, je défends ma famille, c'est comme eux. Deux de leur famille est tombée, bah, c'est normal qu'ils veulent tout brûler, tu vois. D'accord. Après, si par exemple, on me braquait et puis j'ai dit, y a un problème et tout. Bon, je pense que je dirais jamais ça si je suis braqué. Mais imagine, je m'approche et je dis, ouais, il y a un problème, qu'est-ce que tu veux? Oh, bah, tiens, des super diamonds, tiens, on va vous retrouver. Et qui me tue? Non, mais non, presque. Attends, de quoi? Attends, mais. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses. Oui, d'accord, pardon. Il n'y a pas eu que ça, parce qu'en fait, pour te dire, le problème, c'est pas ça qui fasse ça quand je le pointe. Quand je pointe, je peux comprendre qu'il s'énerve, qu'il veut savoir qui c'est. Mais si je fais des sommations en leur disant qu'on s'en fout de ça, de me laisser parler, que je vais l'abattre, qu'il faut qu'il comprenne qu'il ferme sa gueule parce que c'est à moi de parler et qu'il continue, sommation, je tire au sol pour qu'il comprenne. Oui. Voilà, l'autre, il sort son téléphone, bah ouais, j'abats le mec qui est au téléphone et lui, il continue encore, bah j'ai dû l'abattre, quoi. Oui, d'accord. Pardon. Et ce que je voulais dire, c'est que si imaginons, il y a une raison valable qui te semble logique sur le fait que je me fasse abattre, comment tu réagirais, toi, tu vois, s'il t'expose cette raison valable? Ouais, je pense que je ferais le mauvaise foi quand même, hein, mais je t'engueulerais derrière, quoi. Bah voilà. Bah du coup,
Du coup, ils vont faire la mauvaise foi et ils en auront rien à foutre de tes explications. Ouais. Ouais, le problème, c'est pas ça, c'est que non. C'est vrai que là, pour le coup, je suis un peu la logique. Je pense que. Je pense qu'ils vont vouloir se venger, même si c'était justifié. Ouais. Ouais, bah, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux contre-proposer? Vous avez des idées, vous? Je leur achète de la drogue une fois toutes les semaines? Oui, bah, c'est une idée. Un truc commercial, peut-être. En tout cas, tout pour pas qu'il te tue, quoi. 200, 200, 200 de chaque. C'est beaucoup, quand même. 200 de 8, 200 de... Ouais, semaine, on a pas assez de petites mains pour... Après, on peut toujours voir... lorsque t'expliques, si ça tourne mal... Ah, et faudrait qu'ils fassent un geste de leur côté aussi, qu'ils achètent des crochets, peut-être. En fait, de base, c'est... S'ils sont fait plomber, c'est de leur faute aussi. Faut pas l'oublier. Hein. On va pas les donner notre cul. Donc ouais, mais le problème, oui, mais ils ont pas le, ils auront pas le, ils auront jamais cette info, quoi. Enfin, ils l'auront à moi, mais ils ont rien qui prouve, tu vois. Tu pourrais faire un geste en descendant les crochets à un peu. Non, baisse pas, non. Les baisses, les prix des, non, parce que ça va. De toute façon, les crochets, ils les chopent sur nous. Ils les achètent pas. Je crois que Cameron, il a une question. Ouais. Je sais pas si ça tombe, là, je suis fatigué, je vais aller dormir à la Belle Étoile. Ouais, t'inquiète. Parce que t'as pas ta voiture ici? Non, mais t'inquiète. Bah, donne les clés, c'est toi qui l'as sorti, non? Non, mais j'ai pas de voiture. Non, mais t'as sorti la voiture de nos jours, non? Ah oui, j'ai les clés, je l'ai. Ouais, mais donne-lui. Ah, tu l'as rangé dans le garage? Ah, okay. Ouais, j'ai rangé dans le garage. Okay. Vas-y, bah repose-toi, Cam. Je comprends que tu fais semblant d'être fatigué pour pas mourir, mais ok, cool. Non, je me jure. Putain, je suis super fatigué là. Je suis pas bien là. Non, mais vous mourrez pas. Hein, on est d'accord. Moi, c'est bon là, on voit pas. Non, mais vous mourrez pas pour de vrai. Je suis une plante. Attends, je te cache. Ouais. Et vous promettez, vous mourrez pas? On va tenter. On va essayer, ouais. Ça se promet pas, ça. Ah si, ça se promet. Ouais, j'ai essayé de te tacler, mais t'es trop... Ouais, je vous dis bonne nuit à tout le monde. Ouais, bonne nuit, bisous, Cameron. À demain. Salut. À demain. Ouais, après, avec VB, la discussion, elle risque d'être compliquée. Hein, ouais, ça va être compliqué. Je sais pas ce que je pourrais trouver ou autre, mais... En fait, je vais juste discuter, je vais essayer de leur faire comprendre que j'étais obligé, et je vais voir leur point de vue, et après, je vais leur proposer de acheter de la drogue en même temps au collet pour essayer de repartir sur des bonnes bases, quoi. Pour faire quoi, de la drogue? Bah, les petites mains, en fait. On a beaucoup de petites mains. Des petites mains, hein. En fait, là, il faut recruter des petites mains. Il faut bosser des petites mains, hein, avec des nouveaux, avec des anciens, et on les fait bosser, voilà, quoi. Il faut qu'on trouve des gens avec qui peuvent nous rejoindre, peut-être. Ah ça marche pas comme ça. On doit pas rechercher des gens qui rejoignent, c'est des gens qui doivent nous dire qu'ils veulent rejoindre. Je voulais dire commencer à travailler avec des gens pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent potentiellement être intéressés avec nous. C'était pas comme ça que je voulais dire. Et moi j'avais une question sur le fonctionnement des PM. Oui, est-ce que vas-y, vous êtes fixé vraiment sur le fait de mettre des points fixes pour tout le monde? Non, pas du tout. PM. Non, vous faites comme vous le sentez. Moi, je m'en bats la race. Moi, j'avoue que j'aimerais bien changer en mode il trouve un véhicule, il nous envoie une pause. En fait, ouais, en fonction. Moi, j'aime pas ça. Ouais, mais j'aime pas. En fait, c'est dur ce que je vais dire, hein, et c'est stupide aussi. C'est que je veux être tracé par les flics. Ouais. Et en fait, je veux être tracé par les flics parce que si à un moment ils topent, moi j'aimerais les toper. Et comment ils ont eu ça? Et derrière, si on les top parce qu'ils veulent toper chez nous pour X raisons. Bah, j'ai des bonnes raisons pour les toper, pour avoir des radios, des voitures ou tout, quoi. Le seul problème du fonctionnement actuel, c'est si on a 15 PM, ça va être ingérable. Mais sinon, on les met tous au même point. On pourrait faire ça, mais ça va être cramé au bout de 5 minutes, quoi. C'est pas grave, c'est la vie. On changera de point quand on est cramé. Ouais, bah, on peut faire ça. On tente et voilà. Bah ouais, voilà.
Eux, je crois qu'ils le font plus là. Ils m'ont dit, il y a les petites blagues qui m'ont dit qu'ils faisaient plus comme ça. Mais oui. Ouais, moi, je t'avais dit aussi que. Oui, voilà. Oui, et puis le lendemain, j'en ai revu à la préessence, la route 15. Alors bon. Oui, bah, limite. Ouais. Limite, on se donne tous rendez-vous au même gars et on fait ça, on change toutes les semaines quand on est cramé, ok? On fait ça, ouais, comme ça, on se prend pas la tête et voilà quoi. Attends, et... faisait ça, hein. Attends, oui, oui. Ça. Ah, je sais, je bossais là-dessus. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et on change toutes les semaines, quoi. Comme ça, au moins, on se prend pas la tête, tous le même poids pour les PM et moins de paperasse. Paperasse à la poubelle, brûlé. D'accord. Et si ouais, on se fait cramer, on se fait cramer. PM, quoi, du coup. Ouais, voilà. Et le point par semaine. Voilà. Et limite, si on. Et même, limite, tu sais quoi? On change jamais. On change quand on est cramé une fois. Voilà. Ouais, on change quand on se voilà. Fait. Voilà, rien à foutre, voilà, c'est ça. On sait qu'on est cramé. Bah, quand on se fait toper, quoi. Juste à la sortie, quoi. On les fait que d'eau chope, quoi. Voilà. Bah, si c'est du hasard, hein, c'est pas lourd. Bah, c'est pas grave, hein, si c'est du hasard bien joué, et on change, tu vois. Hein. Tu sais, des fois, on changera peut-être pas pendant un mois, des fois, on changera une fois tous les deux jours. Hein. Voilà, quoi. D'accord. Autre chose? Bah non, moi pour moi c'était ma seule question. Okay. Moi j'aimerais savoir comment on rend intéressant la vente de drogue par les PM, parce que bon, on paye pas des masses, quoi. On paye rien du tout. C'est, on leur propose, c'est, on leur dit bien que c'est une entrée déjà. Alors, figure-toi c'est qu'on les, on sait qu'on les paye quand même 20%, c'est juste ouais peut-être 10%, peut-être qu'on mettra 25%, mais c'est pas notre bise. C'est juste que pour leur dire que on les teste et qu'après, de toute façon on les teste pas beaucoup, hein. On les teste pas énormément et puis après on peut les tester comme on veut, tu vois. Et derrière, tu dis, bah, ça serait pour autre chose qui serait plus intéressant, tu vois. En fait, faudrait voir les quantités qu'on leur donne aussi. Si on fait juste 100 de weed, 100 de dexta et 100 de coke, enfin, c'est trop, ça fait 300 de dope, c'est pas beaucoup, tu vois. Moi, je suis d'accord. Et 100 si... de mètres, on peut dire aussi. Et 100 de mètres, oui, bien sûr. C'est, après, ça, c'est suivant 400, comment c'est bon. Tu sens le mec ou quoi, tu vois. Si tu le sens bien au bout des 300, tu peux le mettre sur les voitures. Si tu le sens pas. Je veux le faire bosser un petit peu plus. Il a pris 4 jours pour vendre 300. Et bah, voilà. Il fait vendre 100 de mètres. Il faut qu'ils comprennent que le bête, il essaie de vendre presque au max, souvent, la plupart du temps. Parce que, voilà. Ah, c'est moins grave, on va dire, pour la weed et, l'exta, mais la coke et la mètre, ouais. Il faudrait essayer de vendre au max, quoi. Mais ça va, c'est pas très compliqué, en vrai. Ouais, voilà. Enfin, ça dépend des jours, après. Mais... On a les tarifs actuels Ouais, moi, je les ai, moi. Attends, je te les donne. Après, honnêtement, on s'en fout de la thune. Hein. On voit si ça bosse bien et vous verrez. Hein. C'est, je veux pas, voilà. L'argent qu'on va dépenser pour la drogue, si on fait avec eux, c'est juste pour tester les petites doigts pour qu'ils nous enrichissent derrière. Hein. Ouais, c'est 23, 38, 86, 133. Attends. De quoi 23, 38, 86, 86 et 133. C'est ton numéro de téléphone, ça? Ouais. C'est les prix des drogues là, du coup. C'est les prix de vente. Ok. Oui. J'ai pas les prix d'achat. Oui, comme ça tu vérifies s'ils ont vendu au max, quoi. À peu près, ouais. Et après, tu vois, c'est comme ça. Il faut pas faire de paperasse et vue d'œil et vous prenez pas trop la tête. Hein. Faut pas vraiment prendre la tête de paperasse et vous gérez les petites mains, vous les payez. Essayez de les payer et vous me dites combien vous avez payé. Il faut que ça soit. Je délègue à ça. Payez-les à la fin de soirée et vous me direz combien vous avez payé, je vous donnerai, ok? Occupez-vous de ça. Je crois que j'ai fait deux fois moi et. Ouais, bon, j'ai oublié, mais tant pis. C'est pas grave, mais on s'en fout. Dans tous les cas, vous savez bien que quand vous me donnez un chiffre, je vous donne toujours plus. Donc on s'en bat la race, ne vous inquiétez pas. L'argent. J'ai pas besoin d'argent pour l'instant. Oui, mais même pour plus tard, on sait pas. Imagine, je suis pas là pendant 3 jours et tu dois donner 100 000 dollars aux petites mains, bah tu le fais. Ouais. 100 000 dollars ouais. Oui, bah c'est possible. Tu sais, rigole pas, l'autre il a fait 30 voitures une journée, donc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, dites-vous qu'à la fin, ce qui serait bien, c'est que vous ayez tous 200 000 chacun. Tu vois. Donc, moi, mon but, c'est que vous ayez tous 200 000 et que vous pouvez dépenser vos voitures, full boost. Si vous avez des voitures, de nouvelles voitures, donnez-moi ce que vous voulez et je vous fais full boost, tout. Et je vous rembourse tous vos trucs, donc pas hésiter. Hein. Attends, combien de fois, moi, je suis une GB. Combien de fois, Félix, il envoie ma voiture à la fourrière. Et bah, alors, ça, c'est tu... la première fois, Edgar, t'abuses. Après, si je peux avoir 80 millions sur le compte, à un moment, c'est bien aussi. Oui, bah ça, pour l'instant, désolé, on perd plus que chose. 80 millions. Bah, c'est long. Claque, Giovanni. Ouais, j'avoue que ça claque bien. Parce qu'il est un peu froid. Qu'est-ce qu'il y a bien, mes dents ouais. Ok, je crois que c'était pas d'autre chose.
Mais bon, la discussion, je pense qu'elle va bientôt se passer. Je pense à 21h ou dans ces zones-là, donc restons comme ça. Bon, le problème, c'est que je pense qu'ils seront déjà à 50, donc on n'est pas beaucoup, mais bon. Moi, le truc, c'est que je pense pas avoir fait une erreur. J'assumerai de toute façon les conséquences. Je veux pas de l'escalade de la violence, j'en ai abattu de quand même deux. J'essaierai de trouver un moyen pour adoucir ces pressions, et j'ai envie de voir ce qu'ils vont, eux, dire de ce que je vais dire. Et bon, le problème, c'est que si je me donnais un coup de couteau, je sais pas, vous avez... Ah, mais... Le problème, c'est que, ouais... Faut pas se faire prendre un coup de couteau, en fait. Ah oui, je sais, bon. On peut pas te perdre, en fait, Boris. Oui, bah, je sais pas, enfin, je pense pas prendre un coup de couteau, mais bon... J'ai pas envie que vous creviez parce que je suis pris de couteau. On fait quoi? Mais ça, le problème, c'est... On sort les arbres, on est d'accord. On va vraiment tous mourir en fait ce soir. Le problème, c'est que s'ils me plantent et qu'ils ont pas les armes et que vous sortez les armes et vous les pointez direct, ils ont pas les armes sorties, bah là ils sont, même s'ils sont 50, ils sont submergés quoi. Ouais, bon, ouais, bah ouais. Ouais. Ça va finir en bas de sang là, cette histoire. Si, en fait, le truc qu'il faut que je t'explique, Félix, si t'as sorti ton arme, que tu pointes quelqu'un. Et que le mec, alors que t'as sorti tout, il sort une arme, il faut que tu l'abattes. Ça, c'est un truc que tu dois faire. C'est une obligation. D'accord. Parce que s'il sort son arme alors que tu l'as pointé, c'est-à-dire qu'il est prêt à te tuer. Voilà. Je crois que la discussion, elle est maintenant. Ah oui, il me semble aussi, ouais. Bon, bah allez. Hein. On va se mettre devant la maison. Bah, il y a 5 diamonds, je pense que... On verra, hein. Je suis tout prêt. Hein. On se met devant. Devant? Mais devant chez nous, hein? On va être en face, je pense. Possible. Ouais, là c'est eux. Ah bah c'était sûr, hein. Bon, ils sont un petit peu plus que nous, hein. Ils sont des millions. Et il y en a un qui est un peu plus avancé, hein. Je crois que c'est pour engager la discussion, hein. Après, peut-être que je me trompe. Ouais, ils sont armés aussi. Comment ça, ils sont armés? Ouais, il a sorti son AK. Vas-y, bah, venez. On va attendre que ça passe, on se fait pas écraser, n'ayons pas la honte. Manger et buver, ce serait bien. Bonsoir. Salut. Je pense que t'as vu mes appels hier soir. On va dire que non. Hier, il s'est passé quelque chose. Donc, je vais t'expliquer ce qui s'est passé de mon point de vue. On voulait toper des personnes qui faisaient leur bise. Il s'est passé quelque chose à la Pacifique et des courses poursuites avec les flics et d'autres personnes. J'ai vu une 811. On la suit, on voit que c'est bébé. Il s'arrête, on les tempe. On les pointe un 5 autour de la voiture. Et je voulais leur demander s'ils étaient en train de faire du business, qu'est-ce qui se passait et c'était quoi tout le bordel. J'ai pas eu le temps de discuter avec eux. La première personne est sortie. Je lui ai dit d'arrêter de se calmer. Il s'est collé sur mon arme. Je lui ai dit, mais enfin. Calme-toi, respire, t'as une arme pointée, je peux t'abattre. Il me dit t'es qui? J'essaie de lui expliquer plusieurs fois que je peux l'abattre s'il ne veut pas me laisser parler et discuter au lieu d'essayer d'avoir qui je suis et autre. Il continue à dire mais tu sais qui on est, on va arriver chez toi, on va t'attraper. Et je lui ai expliqué encore que
il fallait qu'il se calme. Sinon, je vais l'abattre, quoi. Le deuxième est sorti de la voiture, il se met à côté de lui. Il continue à faire le show. Plusieurs sommations orales, il comprend pas. Je commence à tirer au sol pour lui dire « Calme-toi, ta gueule, ça commence à m'énerver, je vais m'énerver. » Il continue. Le deuxième sort son téléphone, quand je lui dis de rien sortir. Donc là, à ce moment-là, j'ai tiré sur les pieds. Il est tombé. Et après, lui, il a toujours continué à s'énerver, à m'insulter et à dire qu'on va nous attraper. Et il va dire, tiens, bah, on va t'attraper. Tiens, j'ai mes 200, comme par hasard. Et bon, bah, à la fin, j'en ai marre. Et j'ai tiré sur ses pieds et ils sont tombés. D'ailleurs, je vois la 811. Je ne veux pas voler leur voiture, vos voitures ou autres. Il a déjà été assez pris des balles. On se casse et après j'ai appelé vous trois, donc toi, Mads et Slev, pour discuter de ce qui s'est passé et pour vous dire ce qui s'est passé de mon côté. Un truc qui m'intrigue là dans ton histoire. Oui. Pourquoi ils t'ont demandé qui t'étais ? Ah, parce que j'étais masqué. T'étais masqué ? Ouais. C'était quoi le plan ? Le plan c'était d'être masqué et oui, pas être en symbiose. Bon, j'avais GV200, mais pas être en symbiose. Attraper les personnes qu'on voulait et après, s'ils étaient sur la bise, bah, leur prendre et après me démasquer. Et après repartir. Qu'ils sachent qui j'étais. Et là, j'avais 200 votre voiture ? Bon, non, pas là, vraiment parce qu'on essaie de les avoir, quoi. On a que 2 ou 3 sur les je sais pas combien dans la ville, quoi. Donc en gros, si je comprends bien, t'as abattu une arme à feu, Marcus et Brock, alors qu'ils étaient en train de te dire « Arrête de faire le con, baisse ton arme, ça va te foutre dans la merde. » Non, ils m'ont insulté, ils m'ont mal parlé, et je leur ai dit de se taire parce que je voulais juste discuter et voir ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient là-bas. Ils ont continué plein de fois, et je pense que tu me connais. Je t'ai déjà pointé toi, j'ai déjà pointé des personnes, et je n'ai jamais tiré sur eux. Vous avez discuté, j'ai toujours baissé mon arme. Au ponton pareil, ça a pité mes gars, j'ai juste crevé un pneu, et après ça a discuté alors que vous n'aviez pas vos trucs. Tu sais bien, enfin je pense que tu me connais, on a assez bossé ensemble, et je pense que Mats peut le dire, je n'ai jamais abattu, et je ne suis pas du genre à abattre. Là, vraiment, peut-être que j'ai été con, mais j'étais avec un mur, quoi. Je voulais des infos, je voulais parler, j'ai même pas pu parler. Ça a duré des minutes et des minutes, je pouvais pas parler. Et je ne sais pas comment taire une personne qui, je pointe son arme et que je lui explique « Si ta gueule, laisse-moi parler, quoi. » Et après, le problème, c'est qu'il a sorti son téléphone, alors que j'ai dit de rien sortir, quoi. À ce moment-là, je sais que mettre deux personnes à terre, c'est dur, mais quand j'ai un mur autour et que je peux pas contenir ni rien, je vais pas les laisser partir comme si rien n'était, quoi. Ce qui me chiffonne dans l'histoire, c'est que tu dis que t'as tiré dans les pieds, c'est ça? Ah, j'ai tiré là où j'ai tiré, quoi, ça m'a saoulé. Donc je sais pas où il a eu les balles, quoi. Oui. Ouais, parce que moi, on me dit que les types. J'ai un type qui doit en sale état, là. Ça m'étonnerait que si tu tires dans les pieds, le type, il finisse avec 3 coups en moins et je prends 3 coups d'autre en plus. 8 balles dans le corps. Ah oui, 8 balles. Ah bah, c'est Uzi, hein. Ah, c'est Uzi. Ah, ouais, ouais. En fait, le souci, c'est pas ça. C'est que. Si je demande des choses à des... Alors, je sais pas ce que vous aurez fait tous les deux, à ma place, et ça m'intéresse, si vous en voulez en parler. Si j'ai deux personnes qui... Bah, peut-être que c'est n'importe quoi, peut-être que t'aurais fait autre chose, et peut-être que c'est autre, mais je pense que je vous ai déjà pointé, et chez vous, ils le savent, je n'ai jamais tiré sur des personnes alors que j'aurais pu, et je l'ai pas fait. Avec le sang, appelle le sang. Eh ben, ouais. Tu sais ce qu'on est venu chercher, là, Boris? Non. Ah, des infos, quoi. Non. Une revenge. Comme a dit Slev, le sang appelle le sang. T'as abattu deux de mes types. Quelques jours après avoir braqué deux autres de mes types et tiré sur une de mes bagnoles. Et ça, tu vois, je sais pas si effectivement quand tu me dis, tu me connais. C'est le genre de choses qui me fout en rogne. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre deux de tes types,
et je vais les saigner, Boris. Pas de soucis, bah, y aura revenge et ce sera pareil pour votre côté. C'est-à-dire que quand vos gars font des conneries, ils n'assument pas et ils font la revenge, donc pas de soucis. Donc si tu fais ça, j'aurai 2 personnes à 3 et ça sera 4 personnes pour toi, ça sera 8 personnes jusqu'à un truc. Boris. Escalade de la violence. Typiquement. T'es personne. Bah, je suis personne, ouais. On soit clair. T'es personne. Bah, ne t'inquiète pas. On soit clair. Nous, on est là depuis des lustres. On a fait nos preuves. Donc vous êtes pas Dieu. Donc vous êtes pas Dieu. Attachez-les. Nous, on sait gérer notre business. Attachez-les, écartez-vous de la route. On sait gérer notre business. Les flics, nous, on les a combattus. On n'a pas fait de pacte avec qui que ce soit. J'ai fait 0 pacte. Oui. Ah, juste, faites ce que vous voulez, mais ça va retomber sur vous. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que. On en a connu, oui, mais c'est les guerres, c'est ça le problème. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez tout fait. On n'a rien cherché. Vous me connaissez bien. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Bah, faites ça. T'es blanc comme neige, Boris ? Bah, là-dessus, oui, je suis blanc comme neige sur cette histoire. Aveugle pour voir que l'erreur vient de ton côté. Pas de soucis. Abattre 2 personnes chez moi, je viendrai devant chez toi et je ferai la même. Ne t'inquiète pas. Ah oui ? Je vous le dis. Bah oui. Vous voulez abattre 2 personnes alors que 2 personnes ont fait n'importe quoi ? C'est ce que vous voulez faire ? C'est ça ? Vous allez en arriver où là ? Vous voulez en arriver où là ? T'as abattu une personne parce qu'il a sorti son téléphone. Oh, je lui dis de rien sortir, il sort son téléphone. Tu fais la même chose. D'accord. Vous faites la même chose. Tout à l'heure, là, tes deux types là, que j'ai topé. Oui. Ils ont sorti leur téléphone alors que de base on était en train de les braquer. Ils sont encore en vie. Vous nous avez demandé de les contacter. Bon, vraiment, c'est incroyable. Téléphone avant. Bah. Ah ouais, bon bah pas de soucis, de toute façon vous abattez 2 personnes, on fera la même chose. En fait c'est ça qui est assez marrant. Tu vois, tu posais la question de comment est-ce que nous on aurait fait à Attends. Ouais, n'assume pas les choses. Vous assumez pas les choses vous deux là. Vous assumez pas. Boris, ça sera pareil. Tu sais que j'allais saigner 2 personnes, continue de faire le malin alors que t'as tous tes frères et sœurs là qui sont zippés. Et y'en a aucun qui sort indemne ce soir, c'est clair? Tu parles d'escalade de la violence, je te parle d'équilibre. Ça fait l'épisode d'hier et l'épisode d'il y a 4 jours, samedi, qui s'additionnent. Ne me parle pas d'escalade de la violence. Je sais même pas ce qui s'est passé la dernière fois. Mais j'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé, Boris. J'en ai rien à foutre. Littéralement, j'en ai rien à foutre. Oui, bah, ça se passe à la fête foraine, ça se passe sur mes trucs à moi. C'est le seul truc qui me concerne. Le pourquoi du comment, je suis pas là pour faire une inspection et savoir exactement ce qui s'est passé. Je prends juste les faits à la fin. Et si ça m'agace... Je remets les choses à plat. Bah là, c'est pas à plat, c'est ça à ton côté. Pas, hein. Pas de problème, fais le malin. Je fais pas le malin. De la violence. C'est si, toi qui fais l'escalade de la violence. Ça fait 3 semaines que t'es installé ici, tu parles comme si t'avais tout. Comme si et rien à foutre. Fait. Essaye. Ouais, c'est bon. Et rien à foutre. Allez, fais ce que tu veux. Tu seras bouffer du gravier et de la bouffe pour poule. Un mur, je parle. Un mur, je parle. Apprends à fermer ta putain de gueule par contre quand il parle, d'accord? T'es pas chez ta mère ici. Ah, vous êtes devant chez moi en fait. Et ça, c'est ça qu'un truc que tu comprends pas. T'es pas chez ta mère. Nous, oui, on a pas eu que le sang. Nous, on a eu 5 gangs sur nous là, 6 même. On a attrapé des gens qui étaient chez nous. Tu sais pas du tout ce qu'on a fait. Et on s'en fout qui est le meilleur hôte. Je suis pas là pour me battre autre. Toi, t'arrêtes, tu sais pas. Toi, t'as dû saigner. Toi, t'as dû saigner. Toi aussi, t'as dû saigner. Oh, toi, t'as dû saigner beaucoup. Toi aussi, t'as saigné. Tu connais rien, Boris. Tu connais rien. Vas-y, Liam, continue, je m'en occupe. Attends, ouais, bah, appelle flic. Je m'en occupe. Comment on sort de là, Boris? Rien du tout, on parle à des murs, donc c'est pour ça qu'ils ont été abattus. Parce que leur boss est pareil. Quoi? T'as dit quoi? Parle encore, je... comme ça, Liam, je t'égorge, c'est clair? Ferme-la, Boris. Tu fermes ta t'as gueule. T'as dit quoi? Redis ce que t'as dit, Boris. Non, contrairement à vous, j'ai une arme qui est derrière moi. Et je vais pas redire ce que je vais dire parce qu'il va m'abattre. Non. Écarte-toi, Brock. Répète ce que t'as dit. J'ai dit qu'on peut pas parler avec toi. Ah bon? Tu nous écoutes pas. Bah oui. Là, vous faites quoi là? Vous êtes devant chez nous, regardez ce que vous faites. T'as abattu 2 de mes gars et tu crois que je vais venir et boire tes paroles et me dire oh bah c'est pas grave, il avait raison de le faire. T'as abattu 2 personnes, t'as pris une de tes armes à feu, tu t'en es servi. Et tu penses que n'importe quelle justification
va faire en sorte que moi je vais me dire oh c'est normal. Et tu penses que je vais faire quoi quand tu vas battre deux de mes personnes pour rien parce que tes personnes ont fait de la merde? Essaie de te mettre à notre place. Ouais. Donc tu vas faire quoi? Tu vas battre deux personnes, je vais en abattre deux, tu vas en abattre quatre, je vais en battre six, c'est ça qui va se passer? Tu dis ça parce que t'es énervé, mais tu vas redescendre et tu vas te rendre compte que c'est complètement de la merde ce que tu dis. D'accord, bon bah vas-y. Fais ce que t'as à faire et on verra la suite. Brock. Et qu'on discute avec un mur. Y a pas autre chose, on peut pas éviter de tuer des gens. Mais non, mais Brock il va très bien, regarde, il prend une arme, il a un Kevlar. Non, j'ai failli l'abattre. Hein. S'il vous plaît, on peut trouver d'autres solutions. Putain de merde. Quel prochain? Il y a les pumas, sinon. Moi, je qui décide. Hein. Bien. Votre boss, il aura arrêté de jouer les cadors. C'est toi qui viens. Toi, vas-y. Quand il a arrêté, quand il aura arrêté de croire que tout lui est dû et qu'il obtient le respect uniquement en le demandant, là éventuellement, vous aurez une chance d'exister. Mais tant qu'il continuera à se prendre pour je sais pas quoi, et en tout cas pour ce qu'il n'est pas, vous nous aurez sur la gueule. Ça, c'est pas une escalade. Ça s'appelle l'équilibre. On bouge. Vous avez récupéré leur truc, les chiens? Get a move on, for fuck's sake. Hey, Charlie. Ouais. N'en dis pas plus, mais on est. Et c'est quoi ce bordel là? Oui. Bonjour. Oui, bonjour. C'est maintenant que vous venez, oui. Ça fait quelqu'un pour un massage cardiaque sur la deuxième personne, s'il vous plaît. Et j'ai pas assez pourtant, mon ami. Viens, Félix. Viens. Ah, attendez, Peter, je vais le faire. D'accord. C'est maintenant qu'ils viennent, en fait, ils laissent les gens se faire tomber. Félix, il peut faire. Allez, on vient le coup, monsieur. Félix, ils peuvent pas. Allez, on vient le coup. Je sais pas, en fait, ils ont tous des armes et ils partent. Félix, ils peuvent pas. Là, ils ont toutes des grosses armes. Ils sont beaucoup trop. Ils sont très armés, donc on les laisse faire. Allez, reste à quoi? C'est qui vous avez, Connor? Je crois que vous avez. Ah, moi j'ai vu une voiture partir. Je bouge pas. Allez, médecins sont là. On tient le coup. Allez. Hop, allez, hop là, allez, on tient le coup. Attends, j'ai un monsieur. Sauvez-les, monsieur. Allez, vas-y. Sauvez-les, s'il vous plaît.
Vous allez voir, je vais arriver doucement. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Allez, monsieur Lumen, tout doucement. Si vous arrivez. Vous m'entendez? J'ai pris un coup de couteau au niveau du ventre, monsieur Lumen. C'est qui m'a donné le coup de couteau? Je sais pas, moi, j'ai une arrivée. Je le comprends, mais. Alors, on va vous ramener au BCMS, d'accord? Ouais. Je le comprends parce que c'est comme ça. Allez, ouais, venez. Et venez avec moi. Hop, je vais monter. Vas-y, monte, monte au. Hop, tu veux bien les ramener. Je veux bien les ramener. Allez, go. Allez, je vais derrière avec vous, je vous mets les ceintures. J'ai quel moment en clinique avec deux patients. Faut dire qu'ils préparent les blocs, je pense. Ouais, ils le savent. Ouais. Ils le savent. Ouais, je pense qu'ils sont déjà prêts, je pense. Hop, un bandage compressif. Vous êtes tous les deux conscients? Moi, monsieur Mann était conscient. Et le deuxième? Ouais, il est faible, il est faible, il est faible. Okay. Je vais juste hop, mettre des bandages compressifs pour éviter l'hémorragie. Hop, je m'occupe de vous, monsieur Lehmann. Voilà, ça devrait tenir jusqu'au bloc. Que je prends le bloc 1. Et on prend le bloc 2. Allez, hop, je vais vous aider à vous allonger. Hop, hop, je vais prendre tout de suite vos vêtements, vos bijoux. Je vais tout de suite faire radioscanner pour voir ce qui a été touché avec le coup de couteau. C'est reçu. Hop, je vais prendre votre monsieur Mann. Ouais. Boris. Ouais. Je lance la radio, le scanner et je remets la radio. Du coup, monsieur Hulman, vous avez un coup de couteau au niveau de votre abdomen à déchirer tout justement le muscle abdominal. Et on va aussi devoir vérifier au niveau de votre intestin s'il n'y a pas eu de perforation. Donc pour ce faire, on va vous endormir, d'accord? Ok. Après, je te laisse préparer la perf, Funky. Ouais. Je vous pose, on vous pose le masque, monsieur Hulman. Hop, et faites un décompte de 10 à 0. Allez, on pose le masque. Hop, le journal, je vais le changer. Ça marche.
Du coup, on va faire c'est que hop, déjà. Est-ce que tu veux faire le rapport ou pas, Franck? Si tu veux. Ou tu veux que je le fasse comme tu t'arrives à trouver. Si tu veux, mais faudra me guider. Salut. Mais je peux te faire le rapport si tu veux. Ah, hop, si tu veux. Vas-y, enfin, tu vas faire un rapport. Je vais expliquer. Du coup, je suis man. Mais sur parme blanche. Il y a eu un coup de couteau au niveau abdomen. Tu vois le point d'entrée. Attends. Où les PAB. Ouais. On est le 4. Normal qu'ils ne prennent pas SB au sérieux. Ah. Vous avez obtenu une zone et un bise en 4 semaines, okay, alors que d'autres galèrent des mois, peu importe les circonstances. Ouais, GG pour la scène quand même. Ouais, toi t'as rien compris au RP. Je vais te bannir, merci pour le sub, mais je te bannis. Appelle Beeper du coup. Oh, il sub pour dire de la merde. Patient inconscient, je suppose. Non, il était conscient. Patient conscient, ok. Et hop, ok, constatation sur place. Justice payée, coup de couteau. Ça saignait abondamment au niveau de l'abdomen. Pas de difficulté respiratoire. Abdomen. Yes. Pas de difficulté respiratoire, tu confirmes? Oui. Ok. Non, c'est une blessure par contre. Je sais pas si t'as déjà traité ou pas. Non, j'ai jamais traité, c'est pour ça que je te dis que... Alors c'est un peu pareil que pour une arme à feu quand c'est des blessures perforantes, c'est-à-dire que tu mets toujours sur l'antibiotique parce que typiquement, la lame du bouton, c'est pas où la traîner. Donc tu, okay, mets antibiotique à spectre large, histoire d'assurer au cas où les risques d'infection. Voilà, donc là tu vois, j'ai incisé au niveau de l'ouverture de la plaie pour bien nettoyer, tu vois là, au niveau du muscle, le muscle bah, du coup a bien été déchiré. Mais avant, je vais juste vérifier au niveau de l'intestin. Donc, pour vérifier s'il n'y a pas de perforation de l'intestin, il n'y a pas 36 solutions. Je déroule. Sur l'intestin, petit à petit, et tu déroules. Tu vérifies qu'il n'y a pas de perforation. Ok. Dans un sens, on peut dire que tu mets les mains dans la merde, quoi. Oui. Juste ça, c'est une question que moi j'ai envie de voir. Au niveau examen, c'est une couronne de scan. Ça marche. Pour diagnostic, tu... je mets quoi? Je mets perforation, lacération. Ouais, tu mets perforation, lacération de la paroi abdominale. Une bonne nouvelle pour Man. Il n'y a pas l'air d'avoir de perforation intestinale, c'est une bonne chose. Il reste encore un mètre d'intestin à vérifier, mais c'est celui du bas, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Donc tu vois, hop, la franchie. Bah, le couteau il était un peu bougé sur le côté, du coup c'est assez large comme plaie, on va bien nettoyer.
On va bien suturer, par contre, il va avoir besoin du temps de repos parce que les abdos, les muscles abdominaux, c'est très compliqué à. Ils sont très souvent sollicités en fait. Ouais. Du coup, là, sans endommagement des intestins, ça se limite entre guillemets à ouais, tout mettre correctement et à suture, on nettoie bien à proprement pour éviter les risques d'infection. Ok. Moi, je viens de finir la suture là. Puis la suture à muscle, là, je vais pouvoir refermer avec 8 petits points, je pense, 8 ou 9 points. Je dirais ça quand j'aurai fini. À l'intérieur, t'as fait combien de points? À l'intérieur, je les ai pas comptés, je t'avoue. J'ai suturé au plus possible. Ok, ça marche. Quand tu sutures, ouais, tu peux multiplier et mettre le nombre exact quand tu sutures à l'intérieur. Ouais. Oh, c'est des points R. C'est des points R que tu fais aussi, bah, résorbable que tu fais oui. À l'extérieur aussi, du coup. Oui. Marche. Donc bon bah du coup ça on va partir sur une ablation. C'est tout bon. J'en ai mis 9 au final. Allez. Ça marche pour 9. Je vais mettre un petit peignoir. Il est voué à travailler. Les lits dispo, il y en a encore. Tous les lits sont dispo. Allez. Ça marche. Allez. 1, 2 et 3. C'est cela. Bloc à libérer. Petit beeper. Reçu. Hop, quand c'est sur un CSS, tu peux mettre dans le rapport. C'est comme ça. Ok. Sans ça, c'est pas nous qui gérons la salle de réveil. Ouais. On sait qui c'est. Ça, c'est bien quand il y a du monde. Et voilà. Du coup, vu la blessure aux abdominaux et que ça a bien déchiré les abdos, tu mettrais combien de temps, toi, d'arrêt? Pour voir un peu. Je t'avoue, j'ai du mal à savoir vu que j'ai jamais traité ce genre de cas et j'ai jamais subi ce genre de cas, mais c'est les abdos, ça met du temps à se remettre en place quand même. Oui, ça cas. Reste un coup de couteau, c'est assez violent. J'aurais dit 8 heures. Ouais, je suis d'accord. J'aurais mis entre 6 et 8 heures, donc. Les autres là? Ok. Il aura besoin d'une canne pour se soutenir ou pas hein? Ça va être à lui de joie, normalement non. Mais okay. S'il préfère, on verra où son réveil. Ok. Ça marche. Allez, bonne soirée à tous. Autre à dire.